All right, je pense que ça marche. Excusez, c'est la première fois que j'utilise Zoom. Salut tout le monde, bienvenue dans ce bar de casque, épisode 150. Oh, 150, ça part. Ouais, c'est un chiffron. Ouais. Un chiffron. 150. 150. Ouais. C'est party. Party. C'est party. Remets le beau, aussi. Ouais, j'ai beau, non, j'en mets beau. J'en mets, c'est party. J'en mets beau, c'est le moment. Ouais, pendant que Marcotton se lève, on met des bras sur notre tête. Ah yes! Oh yes! Je lève mon verre à votre 150e. Yes, man! Merci, merci. Hey, merci beaucoup. Merci d'être là, c'est bien gentil. Ben, là, ça, tu bois de l'eau ou t'as mis quelque chose? Ouais, ben, j'ai pas le droit à d'autre chose. Moi, ça fait quoi, 2-3 épisodes que je fais partie de l'équipe. Fait que c'est juste. Ah non, je veux tranquille. Non, cinquième épisode à peu près, elle peut être chaud de marde, mais avant ça, non. Exact. Ouais, t'as ouais, c'est ça. Non, mais. J'ai pas ma permanence encore. En stage non rémunéré. Ouais, oui, non. Oui. Mais le problème, c'est qu'après aussi, c'est non rémunéré pour tout le monde. Oh. Ouais, c'est ça. Mais on a du fun, par exemple. Oui. On est tout le temps là pour le fun, c'est ça. Oui, oui. C'est non, ça. Non, un oui, jour, on va être riche, Steve. Ben oui, il paraît qu'après 150, là, ça part, oui. Mm-hmm. C'est ce que j'ai entendu dire. J'ai hâte. Et j'en profite pour présenter pour tout le monde qui écoute notre invité cette semaine, M. Marc-Antoine Monpetit. Merci beaucoup d'être avec nous, mon gars. Yeah. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On est super content. J'ai pas eu besoin de me déplacer. Non, ouais, c'est malade. Ouais, fait non, ça fait grand plaisir d'être là, vu qu'on est en Zoom. J'ai pas besoin de route à faire. Ah, ouais, puis en plus, je suis content parce que c'est vrai, je pense que je vous ai choqué ou on s'est remis les dates. La pandémie est arrivée, on se déplaçait toutes les dates. Je ouais, non. Le bouquet, ça vaut aucun bon sens. Là, je suis vraiment content d'être là avec vous autres. Ben oui, c'est pas content que tu sois là, mon gars. C'est pas content apprécié. Que tu sois là. Ah, je veux juste prendre deux secondes pour remercier nos Patreons parce que c'est pour être dans le forfait qu'on vous nomme. Puis ça fait comme 8 épisodes, je vous ai pas nommé. Non, ben là, tu viens de faire des abonnés du monde. Ouais, ben le P, ouais, il y en a deux qui ont des abonnés depuis. Ah, calé. On est rendu à 13. Gros, gros Patreon. On a l'autre. Pour vrai. Là, ça va être un bout de sérieux, mais c'est important. Dites-vous qu'il y a 13 personnes qui croient en votre projet. Ah oui, oui. Je trouve ça magnifique, moi. Ouais, c'est le fun du monde. Hey, il y a personne qui est obligé de nous donner de l'argent. Non, non, absolument. Fait que, non, moi aussi, je suis le premier en vrai. Des fois, je suis tout le temps. Je fais des lives. Je suis comme, pourquoi vous êtes 6000 au live à Madoff et vous êtes 30 à moi? Mais il y a 30 personnes qui ont décidé de m'écouter. Fait que donne un show. Non, c'est vrai. Exactement. Ces 13 personnes-là, on va les nommer. Moi, je vais les nommer avec vous autres. Oh, yes! Donc, on les salue. Okay? OK? On a Alex Sureau, on a Alexis Farandou, Dominique Duval, Joanie Morin, Kevin Morin, Marco Lalonde, ouais, Nicolas beau, Côté, Nicolas Montmini, Pierre-Luc Paquet, Sam Facebook, FB, ça doit être pour Facebook. C'est ça. Bombardier, je pense. Ticasse, Yann et Yves Letourneau. Yeah! Yes! Hey, merci, mon... Non seulement oui, merci. Je vous remercie, je vous mangerai... Le cul. Ouais! Ça, c'est dans le forfait à 10$, par exemple. Mais tu nous devances un peu, Marc-Antoine. C'est quoi? C'est le forfait. Ouais, je savais que votre forfait à 10$, c'était plus wild. Ah, ouais, on vous mange le cul, puis ah, ouais, donc. Ah, ouais. On n'oublie pas les gosses non plus. On n'oublie pas les gosses. Au palais. Je pense qu'il a compris dans quel podcast qu'il était. Non, mais pour vrai, merci beaucoup à tout le monde qui donne. Puis, bien évidemment, on fait souvent des jokes, mais t'as totalement raison pour vrai. C'est... Le monde n'a aucune. Ils sont vraiment obligés de nous donner du cash. Puis honnêtement, nous autres, ça a payé le compte Zoom, là, justement. Avec... C'est vrai. Ben, absolument. Et voilà, t'as pas eu à débourser. Vous n'avez pas à débourser pour ça. C'est vrai, juste ça, pour c'est ça. Cool. Moi, mes Patreons m'aident à payer mon téléphone. Ben ouais. Ben, c'est cool. C'est ça. C'est en masse. Ah ouais, ben ouais, c'est nice, man. Ben ouais. Tu génères-tu de l'argent un peu avec pas de temps à perdre? Surtout avec la salle de spectacle. Ben ouais. À cause de la vente de billets, nécessairement. Je remercie Valspec, les autres, ils sponsorisent le show, ils commanditent. Ça, c'est la compagnie de salle de spectacle à Valleyfield. Puis mes amis qui m'aident, pas bénévolement, mais tu sais, je leur donne quand même un petit cachet, fait que je peux faire un peu d'argent avec pas de temps à perdre. C'est sûr, c'est une prod télé sur le web. J'ai pas les mêmes revenus qu'à la télé. Les commanditaires sont pas aussi gros. Mais ouais. Ça s'en vient, disons que je fais plus d'argent que la saison 1. Ça, ben oui, c'est Chris. T'as eu Michel Barrette, Marie-Pierre Morin, Esti, genre, c'est George ça. Georges Larac. Ouais, ouais, c'est ouais. Non, ouais, Georges, je sais pas comment il va, Georges, en ce moment. Là. Tu m'as posé la question aussi. Ouais, ouais. Faudrait que je prenne de ses nouvelles. Je vais l'appeler mon vieux chum, Georges.
T'es-tu chum avec un peu? On s'est croisé une couple de fois. J'ai même joué au hockey contre lui. C'est drôle. On a joué sur une surface de deck. Puis tu sais, Georges, il est costaud, tu sais. Ouais, ouais. Puis c'est pas le plus vite. Puis moi non plus, je suis vraiment pas vite, mais j'étais quand même plus vite que Georges. Puis il m'a trippé. Il a tiré son hockey, puis j'ai eu un penalty shot. Ah, ouais. Il m'a fait trébucher, dans le fond. Il m'a fait trébucher, puis j'ai eu un... Ouais. Et quand je te passe rapide. Content. Ben, Georges Larac, un gars de la Ligue nationale, pas capable de me rattraper. Ouais, mais tabarnak, il joue au deck hockey, puis il est fâché parce qu'il court plus vite que lui, fait qu'il te fait tuer. Non. Ben, il est pas fâché, il a juste essayé de m'enlever à la balle. Ah, okay. Ouais. Non, c'est pas. Ouais. Non, il est pas anti-sportif. Il est vraiment pas anti-sportif. Même, il se donnait quasiment pas. Ça serait malade que ce soit le goon de son équipe, il casse des gueules au deck hockey. Georges reste Georges. Mais non, mais Georges, c'est un. T'as un goon sur la glace, mais en dehors, c'est un être humain incroyable. Ouais, ouais. C'est un énorme cœur. Fait qu'il est vraiment smart. Parce que moi, on avait parlé de Georges. J'espère qu'il va écouter. Moi, il a envoyé l'épisode. On le salue. On parle de toi. On parle de toi. Ah, est-ce qu'il y a des artistes que tu reçois en entrevue qui sont devenus des amis par la suite? Ben, en fait, il y a des artistes que j'ai reçus que j'étais déjà un peu ami avec eux autres. Ben, Étienne Dandon qui vient de mon village, que je connaissais super bien avant. Guillaume Pinault, l'épisode n'est pas encore sorti, mais on a tourné juste avant la pandémie. Il avait été chroniqueur 2 ans, une soirée que j'avais animée à Beauharnois, dans le temps avec Joe Guérin, 2011-2012 jusqu'à 2013. Puis Guillaume était chroniqueur, fait qu'on le voyait tous les mois. Fait que tu sais, j'avais créé des liens, il est déjà venu prendre un spot chez mes parents. Fait que c'est sûr quand tu le reçois après ça en entrevue, tu as déjà un lien de base, tu sais, on a déjà des anecdotes, on raconte des trucs qu'on a fait ensemble. Mais je deviens pas ami avec les personnes, mais tu sais, quand j'ai souvent des conseils à demander, je demande à Jean-Sébastien Gérard, mettons, il va tout le temps me répondre. Michel Charette, je m'attendais pas à ça, Jean-Loup de Radio Enfer, qui était mon idole. Ouais. Il est vraiment smart, il me répond tout le temps. Ouais, tout le temps. J'avais demandé une vidéo, je voulais que Guy Dorvoy fasse une vidéo pour Michel Barrette. C'est lui-même qui il est comme devenu mon recherchiste quand j'avais besoin d'être un peu. Ah, c'est drôle ça en plus, parce que nous, on vient de Sainte-Julie. Lui, il habite à Sainte-Julie. Puis, tu sais, nous autres, on a travaillé au bout. Michel Barrette. Pas Michel Barrette. Oh non, je me suis trompé avec Michel Charette. Michel Charette. Jean-Loup habite à Sainte-Julie. Oui, il habite à Sainte-Julie, mais c'est qu'on travaille au Saint-Hubert, puis le gars, il doit être gêné, j'imagine. Fait que, tu sais, probablement quand il est dans des places publiques, tu sais, il est comme gêné un peu, il est un peu froid. Là, tout le monde est comme, c'est un hostie de lait, lui, genre, puis que, comme si, mettons, le gars, il avait vraiment l'air bête avec tout le monde, mais probablement qu'il était juste gêné, dans le fond. Ou dans son quotidien, Oui, c'est ça, mais tu sais, si tu peux qu'il soit gêné, là, ça arrive. Ah oui. Il peut obliger des. 100% du temps, c'est ça qui arrive là, souvent. Ouais. Ce monde-là, ils font une job comme toi puis moi, mais les autres, on les reconnaît. T'sais, c'est pas normal. Là, c'est pas normal si quelqu'un t'arrête sa route, fait comme hey, moi, je t'ai vu là, chauffer ton truck avec ton frère, puis imagine à tous les jours quelqu'un dit ça, puis t'es comme hey, merci. Fait que là, à un moment donné, tu fais comme je peux-tu. Je suis sûr qu'il est hyper content, je pense que les gens, ils font pas ça. En sachant, ils savent très bien quand ils font ça qu'ils vont être reconnus, puis je suis sûr qu'ils l'apprécient. Mais moi, mettons, j'étais connu, je serais pas monsieur souris, puis monsieur, hey, salut la gang, est-ce que tu pas... C'est tellement bizarre. Le là, hey, salut la gang, Non, mais j'aurais pas tout le temps ce collier-là, tu sais, j'aurais le goût d'aller faire mon épicerie en pitch. Ah non, c'est bien ça. Mais si quelqu'un veut me prendre une photo, ça m'est déjà. Je suis vraiment pas connu, mais ça m'est déjà arrivé. J'étais hangover, puis je venais de passer au banquier, fait que j'avais une petite base de popularité. Puis il y a un enfant qui avait voulu prendre une photo avec moi, mais tu sais, je suis quand? Il sait pas trop, je suis qui. Je pense qu'il savait pas mon nom, mais tu sais, comme fait, hey, je l'ai vu à TV hier, tu sais. En fait, tu as parlé du banquier? Est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent? Ben là, j'ai mis l'épisode illégalement sur Internet. Ah, je l'ai écouté. C'est bon? Je sais pas si. Ben merci, je sais pas si. Michel Charette t'en tabarnak, je peux te le dire. Je l'ai vu à l'épicerie l'autre jour, un an de bus. Si je devais penser à toi. mais non, mais le banquier, je m'en fais parler quand même. Non, je m'en fais pas beaucoup parler récemment. Ça fait quand même. Ça va faire 3 ans. Ça a fait 3 ans. Fait que, ça, c'est un buzz assez éphémère. Là. Ça a été un gros buzz comme 2 jours, 1 semaine.
la semaine d'après, là, t'es déjà dans la pente descendante. J'ai plus personne qui pense à toi. Mais de, par rapport à ça. Il y en a qui suivent encore pas de temps à perdre, il y en a qui suivent ce que je fais encore depuis ce temps-là. Mais il n'y a pas. Puis c'est une bonne affaire, c'est pas comme. Tu sais, au deux, je trouve, mettons, ceux qui participent à l'occupation deux, le buzz est long, là. Mais quand ça redescend, là, ça crash encore plus. Ouais. Parce que t'as goûté longtemps au buzz. Moi, j'ai goûté comme au buzz, mettons, de popularité, une demi-seconde. Mais ça m'avait tellement effrayé, j'avais pas aimé ça. J'ai appelé mes amis, puis là, je disais, hey, là, il y a plein de monde nowhere qui m'écrivent sur Facebook. Si je catch pas au début, j'étais comme, hey, c'est cool, je répondais au monde, mais là, des gros messages, tu m'as inspiré, si c'est ça. Oh, wow. C'est tellement une grosse dose d'amour que c'est quasiment trop pour une seule personne. Ouais, c'est sûr. Ouais. Je suis comme, on se connaît pas, là, tu sais, vous avez vu 1 heure de moi, là, dans le fond. Est-ce que ça t'a amené à réfléchir au point où ça remettait en question même de devenir une personnalité publique parce que tu es dans des métiers qui vont t'amener éventuellement à être plus connu aussi? Est-ce que ça remet ça en question? Bien, souvent, moi, j'ai tout le temps dit que je voulais gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Puis, nécessairement, en étant un petit peu plus connu, ça t'aide à avoir plus de contrats. Mais c'est pas un but ultime d'être une méga star, tu sais, parce que justement, j'aime avoir deux vies, tu sais. Moi, je viens d'un petit village à Saint-Étienne-de-Beauharnois. Je peux vivre avec mes amis. Je suis pas le gars qui fait des entrevues. Je suis pas le gars qui est sur Internet. Je suis juste le gars qui vient jouer au hockey puis qui vient prendre sa bière. Puis c'est bien rare que quelqu'un me fait un call. Des fois, un arbitre va faire « Ouais, pas de temps à perdre », tu sais. Ça arrive, il y en a qui me reconnaissent ou qui vont me faire un call. Mais tu sais, je suis pas mal sûr que Louis Morissette peut pas aller jouer dans n'importe quelle ligue de garage sans se faire parler non-stop, tu sais. Fait que moi, j'aime ça avoir la vie de je m'en vais au tapis rouge, couvrir ou whatever. Puis personne ne me reconnaît, mais je vais quand même faire ma job, je vais être payé pour la faire. Je reviens chez nous, puis tout le monde m'a oublié, tu sais. Fait que je chaîne, mais je chaîne pas plus qu'un. Tu sais, je chaîne juste un petit peu. Puis c'est juste assez pour moi. Mais c'est sûr, j'aimerais ça avoir plus pour avoir tout le temps plus de contrats puis plus d'exposure. Tu sais, ça vient un peu avec. Tu sais, ça me dérangerait pas. Je pense que j'ai une personnalité quand même facile, puis je suis facile d'approche, puis j'aime ça jaser au monde. Mais c'est arrivé combien de fois, mettons, qu'une fille te suce, puis quand tu viens, elle fait l'offre est acceptée? Jamais. Ah, maudit. Ça aurait été le fun, par exemple. En tout cas, ça ferait une anecdote, mais je te le souhaite un jour, peut-être. On sait pas. J'en ai un paquet d'anecdotes, mais celle-là, je ne l'ai jamais vécue, et d'autres. T'as-tu fourré Julie? C'est ça qu'il voulait demander, en fait. C'est oui. Oui, oui. Non, c'est écrit ici, là. Celle-là est refusée. Ça, c'est dans votre liste de questions, tabarnak. Les gars. Ben là, Chris, on se demandait. Vous avez d'excellents recherchistes. non, mais pour vrai, c'est passé comment cette journée-là? C'était-tu bien stressant, genre? Tu sais, je sais pas à quel point t'aimes jouer, là, mais genre, c'est quand même des gros montants d'argent. Là, vraiment, je suis pas un gars à l'argent, j'ai tout le temps dit. Moi, pour vrai, j'aurais aimé ça vivre au temps du troc. J'ai un miroir contre une peau douce. Mais moi, j'aime ça changer du temps. Hey, je vais t'aider à monter ta vidéo. Mais viens m'aider à tourner à la mienne, tu sais. Puis là, au final, ben, personne ne se fait d'argent avec ses autres. Tu peux pas payer ton épicerie avec ça. Mais moi, j'aime ça avoir juste comme. Moi, je peux vivre avec un genre de. Pas nécessairement un minimum, mais tu sais, quand même, avec de l'argent. Ouais. Mais au lieu de demander tout le temps de l'argent en échange de services, je sais que moi, je peux demander un service tout ça en échange. Puis des fois, c'est juste plus le fun, tu sais, on peut s'entraider puis pousser encore plus loin. Bref, tout ça pour dire, quand j'allais au banquier, moi, j'y allais vraiment pour l'exposure avant l'argent, tu sais. Mais c'était quand même stressant, tu sais. J'avais beau avoir joué 4-5 games la veille sur... Tu sais, il y avait une application banquier sur le site du banquier dans le test. Ah, ouais. Je pouvais aller jouer. Je m'étais pratiqué, mais tu sais. Tu peux pas vraiment te pratiquer, là. T'es tout le temps... Quand tu te pratiques, c'est sûr que tu y vas tout le temps all-in, tu sais. Tu vas tout le temps, bon, ben, fuck that, là. Bon, finalement, 28$, c'est sûr. Mais quand c'est en vrai, là, puis moi, j'avais dit à mon ami, je me souviens la veille, j'avais dit, on était dans la piscine chez mes parents, puis là, j'avais dit, moi, à 100 000, il était dans mes trois, tu sais, t'as tout le temps trois, pas concurrents, mais trois personnes qui te conseillent en chaque pas. Puis j'avais dit, moi, à 100 000, arrête-moi, genre, ça vaut pas la peine d'aller plus loin, pour vrai. En moyenne, les participants repartent tout le temps avec 50 000. Fait que j'ai dit, si on atteint 100 000, c'est la première offre, Chris, c'est sûr que ça va être la meilleure.
C'est sûr, sûr, sûr. Il n'y a jamais personne. Ouais. Il n'y a jamais personne qui est parti avec le 500 000. C'est juste un. C'est un rêve. Tu as une chance sur 26, puis il faut que tu élimines toutes les valises avant de pogner la tienne. Bref, c'est quasi impossible, à moins d'être gambler à Spock et d'être chiant. Il y a un coup de chance. Moi, j'avais dit à 100 000. Je me suis rendu en partage à 48 000. J'ai déjà mis objectif. 69 000, 82 000. Là, 82 000, je commençais à faire. Mais là, maintenant, j'étais comme, Chris, ça fait pas si longtemps. T'arrives là, il est 8 h le matin, il te prépare. Le jeu a commencé à midi et demi. Mais même le monde dans la foule, t'es arrivé, ma gang, qui venait me voir dans les estrades, t'es arrivé à 10h30. Ouais. Ça a fini. Quand j'ai pesé sur le bouton, t'es 8h30 le soir. Tabarnak! Mais c'était 12h, c'est intense. Ça gruge. C'est l'adrénaline dans le tapis. C'est de l'adrénaline dans le tapis. Puis là, à un moment donné, ils font comme, hey, là, entre deux valises, on va prendre 1 heure de pause. Fait que là, tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir. Puis là, ils disent, ben là, ça va être l'heure du souper. Ils te donnent du vin, mes amis, là. Puis là, ils sont là, puis ils te font boire, Puis là, t'es comme, t'arrives, là, t'es un peu moins clair. Ils sont comme, tu sais, là, regarde, t'as le droit d'accepter. Mais si tu refuses, tu pourras avoir ça. Pis eux autres sont sale. Comme. Fait que, tu sais, moi, la dernière offre, j'ai eu 99 000. J'étais à mon. Tu sais, j'étais à 1000 piastres. Puis j'avais comme 15 000 piastres en prix. Fait que j'avais déjà comme 116 000. Fait que là, je m'étais dit, tu as ton objectif à 1000 piastres près. Ouais. Rendu le. Mais là, j'étais comme, si j'ouvre le 500 000, c'est ça qui fait tout crasher. T'sais. Fait que c'est ça qui me tenait comme en vie. Il fallait que j'ouvre deux valises rendues à ce moment-là. Fait que là, j'avais comme peur un peu. Puis là, je me suis dit, bon, soit que je suis gambler puis j'ai plus, mais si je redescends, je ne remonterai jamais. Puis c'est souvent ça que j'avais écouté pas mal, jamais ça, jamais le banquier avant aussi de participer. Quoi que je ne m'étais jamais inscrit. Je faisais juste regarder ça pour le fun. C'est quand même intéressant à regarder, quoi. Ben, tu sais, moi, je trouvais que les participants donnaient quand même un show. Il y avait tout le temps des belles histoires, puis c'était pas nécessairement genre, j'ai eu 18 cancers. C'est, hey, moi, j'ai une petite fermette, hostie, puis j'ai 800 cochons, je les élève comme si c'était mes enfants, puis je suis là, puis là, t'es, les cochons rentrent dans le studio. Non, mais il y avait tout le temps des histoires, il y a un gars, t'es d'exemple Superman, puis il est reparti avec 800 paires de bas. Oui, je me rappelle de celle-là. Il y avait des histoires quand même. Celle-là, je pense, c'était la plus marquante. Parents de mes amis qui étaient allés, puis je sais pas pourquoi, Guillaume le Métis Vierge qui a droppé du ciel en parachute. Genre, c'est comme, what the fuck? Mais tu sais, c'est ça, moi, je trouvais ça divertissant. Fait que c'était pour ça que je m'étais inscrit. Puis là, c'était ça, je m'en allais. Des fois, moi, je passe une lune, À base, on parlait du stress, c'est pour ça que tu parlais du temps de pause entre les... C'est ça, fait que là, ils te font un temps de pause, puis là, après, j'ai fait comme, hey, j'ai mon objectif, je pourrais monter, mais pas mal plus de chances que je descende. Puis si je descends, je vais être assez calme pour, je réessaye, mais là, je voyais trop d'exemples Hey, j'ai 100 000, puis on le voyait souvent, là, 70 000. Mais là, lui, dans sa tête, la personne, le concurrent, disait, hey, j'avais 100 000 le coup d'avant, fait que je restais une valise. 58 000. Moi, il y allait avec 58 000, Chris, là, deux offres, t'avais 100. Fait que moi, j'ai dit, je m'en prends 100. Puis là, quand j'ai ouvert des valises, après ça, pour le fun, j'ai monté jusqu'à 136. Ouais. Mais dans ma tête, m'encore ici, j'étais comme, j'ai 100. C'est un cliché parce que je l'ai écouté, je pense que c'est hier, je l'ai écouté avec ma blonde, puis en l'écoutant, j'étais comme, asti, c'est sûr qu'il a dû se coucher en repensant aux 38 000 de plus qu'il y aurait. Moi, être bien honnête, oui. Du coup, j'ai fait. Puis même, je pense, tu l'as écouté, je le dis, je l'ai écouté récemment parce que je l'ai mis en ligne, justement. Puis je le dis dans l'épisode, puis je suis comme. Tu sais, je sais que n'importe qui, en ce moment, avec le tableau que j'avais, qui était exceptionnel, continuerait. Je sais que je serais chez nous en me disant « Ah ouais, c'est une épée, continue, tu sais, au moins une shot. » Je le réécoute le banquier, je fais « Ben oui, Marc, maudit épée, continue, tu sais. » Non, mais t'as bien fait, ça. Quand tu te regardes, mais quand t'es live, là puis pour vrai, tu sais, c'est drainant. Puis ça, il y avait plein de... Là, je suis réel, j'ai ça encore. Tu sais, il y a plein de... Il y avait plein de personnalités qui étaient là. Tout le monde reçoit tellement d'amour qu'à un moment donné, ça fait brûler le vin. Le vin puis la pizza, moi, ça m'a. J'étais à terre, puis là, j'étais juste comme. Là, c'était quasiment faut qu'on s'en aille. Faut que cette journée-là est assez belle. Ben, non, mais il fallait que cette journée-là finisse une bonne note. Ils m'ont présenté comme le plus grand des perdants en partant. C'est vrai, et puis ils voulaient que je dise le mot loser. Ça, c'était une autre affaire. Ah ouais? Toutes les répliques sont quasi stagées.
tous mes participants, ma soeur, mes deux amis, c'était comme, OK, qu'est-ce que vous connaissez sur Marc? Là, il shootait plein d'affaires, puis là, la production disait, OK, ça c'est bon, vous allez dire exactement ça. Lui, mes amis, c'était comme, je pensais pas qu'il fallait faire un oral, là, ils sont bien stressés. Ah, c'est bon clair. Sens. Fait que, tu sais, il y a des bouts un peu stagés. Puis, je divague dans cette anecdote. Julien, es-tu là pour vrai ou filmé ailleurs? C'est un hologramme tout le long. Julien est pretty, toutes ses répliques sont pretty. Ben, c'est ça, je pensais. Elle est morte, cette femme-là, calée. C'est tout au début. Esti, je pensais. C'est comme Elvis, Esti qui chante avec Céline Dion. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Parfait. Mais ouais, non, mais tu dis ça, mais même moi, en écoutant, genre, première offre, 48 000, je suis comme, crée, j'arrêterai. C'est 48 000! Ben, tu sais, non, mais c'est ça, mais tu sais, j'avais jamais vu quelqu'un avoir 48 000 sur une première offre. Ouais. C'était vraiment beaucoup, puis même à troisième, 82, j'étais comme, qu'est-ce que pour vrai, j'avais vu la moyenne, c'était 50. Là, j'étais comme, oh, j'étais à 82 après trois offres. D'habitude, le monde part après 6-7 offres, mais justement, ils font ça de même, puis là, ouais, ouais. Moi, j'ai fait 4 heures, j'ai fait, oh, yes, on a mon objectif. Ouais, ouais. Puis, c'est ça, je disais, ils m'ont présenté, ils voulaient que je dise, a dit que t'es le plus grand des losers. Puis, j'étais comme, qu'est-ce le plus grand des losers? Faut l'assumer, là. Non, mais là, Chris, c'est loser en tabarnak. Ouais. Salut, moi, je m'appelle Marc-Antoine, je suis le plus grand des losers. Non, non. J'étais un éternel perdant parce que j'étais refusé dans plein de concours, j'étais refusé dans les connaissances de l'humour, j'étais refusé en route, j'étais refusé dans bref plein d'affaires. Fait que ça me dérangeait pas de dire que j'étais un éternel perdant. C'était quand même vrai, tu sais. Mais là, éternel loser. Fait que là, je m'étais dit, hey, appelle-toi la dompe à marde. La dompe, c'est ça. Hey, salut, je suis la plus grosse dompe à marde. Fait que là, je m'étais dit, Chris, la plus grande dompe à marde, elle peut pas repartir avec 5 piastres. Fait que là, je dis 100 000, ça va faire une belle histoire. Il est venu ici, il s'est fait connaître, ça a aidé sa carrière, puis il repart avec un bon montant. C'était le deuxième plus gros montant de la saison. Nice, man. Ben, good job, bon. Boy. Good ouais, job. C'est cool, ça. Putain, les autres, tabarnak, gang de cons. C'est vous autres, les éternels losers, calice. Ce que t'as dit, j'ai une question. As-tu l'impression que ça t'a aidé à te faire connaître plus du public ou de la colonie artistique? Parce que j'imagine que ça donne une certaine, ben, peut-être pas crédibilité, mais ça a mis ton visage sur la map pour, après ça, les demandes d'entrevue, c'est peut-être plus facile. Ou as-tu l'impression que. Ouais. Je pense que ça donnait une crédibilité, mais j'ai tout le temps dit que c'était comme une carte de visite. OK. Tu sais, moi, je rajoute tout le temps. Tu sais, quand je fais une demande d'entrevue, je dis, j'explique un peu mon parcours en quelques phrases, puis je dis, en 2017, nous avons participé au banquier. Plusieurs personnalités que j'avais interviewées étaient là présentes. Fait que ça rajoute comme juste. Mais ça ne m'a pas fait nécessairement découvrir du milieu. Je pense que le milieu, le milieu, je pense pas qu'il regarde le participant de la tombe crochet en se disant, potentiel de devenir animateur, ce jeune-là. Tu sais. Fait que je pense que le milieu, je pense pas qu'il se disait. Je pense qu'il faisait comme, ben, continue à faire tes preuves, puis à m'emmener, tu sais, tu vas peut-être faire partie de la gang. Mais je pense que la page Facebook a monté de 7 000 à 23 000. Fait que j'ai gagné comme 15 000. Je pense que pour le public, c'était vraiment bon. Mais encore une fois, le plus grand des losers. Ils ont diffusé mon épisode la même soirée que le Super Bowl. Mais t'es sérieux? Tu sais, c'était encore une bad luck. T'sais, on dirait, il y a peut-être des petites affaires, des petites twists. Puis au début, je t'ai supposé la semaine avant. Puis là, ils me rappellent, ils font comme, hey, finalement, on a déplacé ton épisode le 5 février. Je suis comme, ah, c'est en même temps que le Super Bowl. Mais quand ils pensent, le public du Super Bowl et du banquier, c'est. C'est pas ta fête la même. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, si. Ben, j'aurais peut-être gagné 10 fans de plus, mais... Mais je me demandais, j'ai noté ici que t'avais gagné le prix surprise Goji VidCon. C'était quoi? C'était genre une convention à LA, je pense? Goji, c'est une agence de... comme de YouTuber qui t'a... C'est comme s'il m'accompagnait pendant 2 ans. Okay. Mais là, je sais pas ce qu'ils font, mais tu sais, ça... J'étais pas vraiment YouTuber, je faisais pas... Au début, je mettais même pas mes capsules nécessairement sur YouTube, fait que... Tu sais, c'était comme un coup d'épée dans l'eau. Là. Tu sais, c'était bien beau de donner ça à TV, puis je les en veux pas, mais ça m'a pas rien apporté. Tu sais, j'étais au VidCon à Anaheim. C'est comme plein de conférences de YouTubers. Je parle pas anglais, j'étais tout seul.
Je me suis saoulé 5 soirs de suite. J'avais un genre de condo loft, je sais pas. Puis j'avais une grande vue sur Walt Disney. C'était le premier Walt Disney en live. Puis j'avais les feux d'artifice live dans ma chambre. Fait. C'est le seul souvenir que j'ai de ce voyage-là, c'est que je suis quasiment pas sorti. Il faisait beau à tous les jours. Je me levais, il était 2 heures de l'après-midi. Puis j'ai tout rattrapé, toutes les sous-écoutes, tous les podcasts. Oh, j'ai fait ça de ma chambre d'hôtel. Puis je m'en suis tapé genre 4-5 par soir. Là. Puis c'est des 2 heures. Là. Fait que je passais ma veille me saouler de ça. Un soir, j'étais sorti, genre, avec. J'avais croisé un Québécois. C'était au dépanneur, puis il était comme, hey, on va peut-être se croiser au Vidcom. Je suis genre, ouais. Puis moi, j'avais genre une bouteille de rhum, une bouteille de vodka, genre une caisse de 24. Je suis comme, on se voit peut-être à soir. Tu sais, le gars qui est comme, t'étais qui, là? Je m'en retourne à l'hôtel. Oh, ouais. Non, mais on va écouter Mike Ward, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, le festival de YouTube. J'écoute des vidéos YouTube. Ben ouais, c'est sûr. Anaheim, tout seul dans ma chambre d'hôtel. Ah, mais c'est cool, je me demande justement. Ouais. Ben non, mais t'es le premier. Puis en plus, t'es le premier qui m'en parle de ça. Mais tu sais, tu sais, des fois, dans la vie, c'est pas parce que quelque chose se fait pas que. Tu sais, j'ai quand même appris. C'est la première fois que je prenais l'avion tout seul. C'est la première fois que je me débrouillais un peu. J'ai été dans un subway à un moment donné. Ah ouais? Comme on a ici au Québec. Là. Puis là, je suis rentré, puis moi, je voulais un rap au ton. Puis quand je me suis aperçu que j'étais peur de dire ton. En anglais, j'ai choqué puis je suis viré de bord. Je ris, mais c'est triste, là. Can I have a rap? Non, mais c'est ça, j'ai commencé à l'expliquer. J'ai fait genre rap to tout, puis c'était tout, non? Là. Ouais. Mais je savais pas à l'époque. Puis là, t'as pas essayé Fish? Non, il y a eu un blocage. T'étais vraiment sur le ton, hein? Ouais, mais j'étais comme ton. Ah, mais là, c'est à ce moment-là, en plus, tu sens que t'as l'air épais, là, tu commences à avoir chaud. Ils t'ont vu t'en virer de bord, ils se sont dit, ce monsieur-là, ça va se gonner dans son char, c'est sûr et certain. Il est tellement mal à l'aise, là. Puis on dirait qu'aux États-Unis, ils t'aident pas nécessairement. Ils vont pas vouloir t'aider. Tu sais? Elle était comme, non, je comprends pas. Elle me donnait pas d'option. C'était comme, sèche, puis tu reviens là, que tu sois bilingue. Là. Ah non, c'est ça. c'est plate. Hey, mais ça me fait penser, là, avec ton bon niveau d'anglais, est-ce que tu as eu un comeback de David Letterman? Non, c'est ça. J'avais fait une affiche cet automne. Instagram, je sais pas si tu l'as publié ailleurs. Là. Les gars, j'avais demandé à David Letterman de lui donner des conseils. Ah ouais, pour vrai? Ah, wow! Sur Instagram, sur Facebook, j'avais publié genre la fameuse affiche de moi qui écrit une lettre à David Letterman que j'avais fait traduire en anglais. Parce que j'adore ce qu'il fait, surtout en ce moment. Mon invité n'a pas besoin de présentation. Je ne me souviens plus de son nom en anglais, mais j'écoute sa série sur Netflix, Barack Obama et compagnie. Oui. Puis ça me fait penser un peu à. Ça me fait exact. Je copie exactement ce qu'il fait. Je copie pas, là. Je ne suis pas Gad Elmaleh, là. Je m'inspire beaucoup. C'est du one-on-one, je trouve. Il y a de la répartie. Son décor, c'est cool. Il y a un public, je fais ça de même, ça, c'est les estrades, genre. Les estrades devant lui, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça inspirant. Il y a une grosse barbe, il y a des grosses lunettes. par défaut, j'ai fait. Julie Snyder m'a déjà dit que j'étais le David Letterman de Valleyfield. Elle a fait ça assez mince, c'est assez mince. Mais comme. Arrête-tu, t'es le David Letterman du Québec? Non, elle est allée ici. C'est mince, le David Letterman de Valleyfield. Mais quand même, fait que là, je m'étais dit ça. Je m'étais mis ça à l'oreille, j'étais comme « Ah, mais peut-être que je m'étais dit que ce serait le fun que ce soit lui qui présente le show. Hey, c'est bon, en tout cas. » Il aurait dans ses mots, là, mais « Salut, c'est David Letterman. » Vous écoutez « Pas tant peur. » Genre ça. Fait que j'aurais aimé ça qu'il fasse juste la phrase d'intro, tu sais, que ce soit lui. Ça a été malheureusement, j'ai pas eu de retour, mais là, tu me fais penser, ça. Je serais-tu pour une relance? Je suis un gars de relance. D'habitude, je relance pas mal de mes affaires. Ouais, parce que ça s'est peut-être juste pas rendu, en fait. Ben non, c'est sûr que ça s'est pas rendu. Il n'y a pas eu assez de partage, clairement pas. Peut-être faire une toune, je sais pas. Faire une vidéo pour qu'il attire son attention. Je miserais sur Twitter. C'est particulièrement pas de temps.
Excusez, moi, je donne des conseils de même. Non, finalement, c'est gratuit. Vous étiez dans une conversation, vous n'aviez pas fini, fait clairement, c'est moi qui coupais. C'est ton podcast aussi. Là. C'est vrai, ça, c'est mon podcast, Vanessa Collis. Toi, Vanessa, tu fais quoi, là? Tu migres de podcast en podcast? Ben écoute, je suis encore avec la gang du Petit Bonheur. On se barre le casque. Parce que ça faisait 3 fois qu'ils m'invitaient comme humoriste. Puis on a décidé d'arrêter de se mentir. Là. C'est parce qu'on s'entend bien. Ben oui. C'est ça. Ben oui. Ouais, je continue dans le podcasting parce que je les aime, ces garçons-là. Mais nous autres, on t'aime, Vanessa. J'ai le temps de m'attacher. On est super contents que tu sois joué à nous. Super content. Je comprends. Ben oui, Vanessa est dans tous les projets. Là. On va faire des collaboratrices dans tous les podcasts. Ben oui. Ben écoute. Je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que plus que je m'informe de ta carrière, plus que je réalise qu'on a des points en commun, fait que c'est autant intéressant de voir où est-ce que tu vas t'en aller parce que ça me donne une bonne petite indication sur mes possibilités de carrière. On se suit dans la trail d'à côté, on n'est pas dans l'autoroute. On est comme les deux cons en motocross à côté. C'est le même, j'ai tout le temps des points en commun. Tout le temps. Ouais, c'est beau. Hey, mais ça m'amène une question aussi parce que. T'sais, moi, je te vois pas. On t'en vient, Marco. Il n'y a pas de stress pour elle. Tu viens ici tantôt avec la c'est mon podcast, c'est bourré. Je veux juste des conversations pour que ce soit cool. Fait que... C'est pas nécessaire de fermer ton micro. Là. Tu peux rester, mais écoute. Il fait des jokes, mais il est possessif. Non, mais c'est parce que tu l'as nommé au début du podcast, puis ça m'a allumé une lumière. Mais tu parlais de Mathieu Dufour. Il y a beaucoup d'humoristes qui se lancent dans les médias. Comment tu perçois ça, toi, qui fait de l'entrevue une partie de ta profession? Est-ce que c'est dans quelque chose que tu as tendance? Ben, dans toutes les formes de médias, le fait que les humoristes se lancent beaucoup dans les entrevues, puis là, on le voit beaucoup en ce moment, là, avec les lives, les podcasts qui se multipliaient déjà, mais que là, bon, la période le permet plus. Là. Est-ce que tu as tendance à voir ça comme de la compétition ou c'est quelque chose qui t'inspire ou comment tu perçois ça? Ben, en fait, c'est de la compétition qui m'inspire. OK. Je vois ça de même, tu sais. Qui te challenge, mais, quoi? Qui me challenge parce que je me dis, OK, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour pas perdre ma place, tu sais. Je fais ma place, mais c'est tout le temps important de la garder puis de gagner d'étape en étape. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas personne qui perce sans nécessairement, oui, avoir du talent, mais en travaillant, en faisant ses trucs. Puis moi, pour vrai, je m'inspire beaucoup. Tu sais, je dis David Letterman que je l'écoute, mais je consomme beaucoup, beaucoup de trucs québécois. Trop québécois, c'est pas mal d'affaires, que ce soit la chanson, que ce soit l'humour, entre autres. Fait que je m'inspire souvent, tu sais, je vois Arnaud Soli aller sur Instagram, c'est un phénomène, ça n'a juste pas de sens. Matt Duff aussi, justement. Mais je me dis, ben, moi aussi, je veux atteindre ces objectifs-là. Fait que je continue à travailler pour, puis je me dis, je lâche pas, puis c'est pas parce qu'un a un contrat que ça t'empêche d'en avoir un autre. C'est de même que je vois ça. Mais de toute façon, sur le web, pour vrai, il y a pas mal juste toi qui fait un affaire de même. Là. Pour vrai, c'est fucking impressionnant, genre, ce que t'as été capable Vraiment, vraiment. Tu sais, pour vrai, les moyens du web au Québec, c'est genre fuck all, là, on s'entend. Là. Puis ton show, il est aussi professionnel que les grandes entrevues avec Stéphane Bureau. Là. Puis je niaise pas. C'est vrai. Oui. Et fin, ben, j'aime bien Stéphane Bureau aussi, j'adore. Je suis un fan des grandes entrevues aussi, tu sais, c'est un autre de mes inspirations. Moi, j'aime ça, m'asseoir puis écouter une personne, genre, 1 heure de temps, puis discuter, puis j'aime les podcasts, mais j'aime aussi ce que j'aime des podcasts, puis moi, je divise vraiment podcast entrevue. Il y a souvent des gens qui vont dire « Ah, il y a le fun de ton podcast! » Ouais, mais tu sais, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas... Tu travailles plus fort qu'on a travaillé. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire, parce que sinon, c'est relatif, tu sais, on sous-écoute pour dire « Je travaille pas, Mike Felling s'asseoir, puis il saoule. » Mais tabarnak, il a un succès monstre. Ouais. Mais il travaille pas, tu sais, il travaille en tabarnak aussi. Ouais, c'est juste un niveau de travail différent, tu sais. Parce que tu peux pas atteindre une notoriété de faire comme... Bon, on ne travaillera pas, ça va être juste nous autres qui va s'asseoir. Mais je pense que la différence, c'est que les gens confondent souvent le podcast et l'entrevue avec la durée du temps, parce qu'un podcast, souvent, c'est assez long. Mais je pense qu'un podcast, c'est on jase. T'sais, on a une discussion, tout le monde ensemble. Tandis que moi, pour vrai, c'est très rare que tu aies une anecdote de ma part à pas de temps à perdre. Je focus que sur l'invité,
Mais tu sais, un peu ce que vous faites, là, vous me passez beaucoup à la poc, là, tu sais. Je vous en remercie d'ailleurs. Quand je bois du vin, j'ai juste... Je veux pas vous écouter, tabarnak, juste par une fois. Non, mais Chris, c'est moyen en esti qu'on t'invite puis qu'on te laisse pas parler. Ben non, mais non, mais tu sais, mais des fois, j'aime ça aussi, tu sais, t'es invité. J'en écoute des shows, je fais comme, hey, l'animateur est punché, puis c'était cool, puis tant mieux, puis moi, j'adore ça. Mais c'est ça la différence, tu sais, avec... Puis encore là, justement, je parle, j'oublie la question. Je me souviens plus pourquoi je répondais ça. mais ça reste intéressant quand même de t'entendre. J'en sais, vu que tu donnes des entrevues et tout ça, mais c'est le fun de pouvoir, toi, te voir parler de ta carrière et ton ben, j'aime ça. Mais moi, j'aime ça, mais juste quand on me donne l'opportunité. Vu que vous me donnez l'opportunité de le faire, je le fais. Mais on dirait que je me vois mal. J'aime pas ça, commencer... soit partir un live Facebook pour encore, hey, on va raconter ma vie, la gang, j'ai quelque chose à dire. Ouais. On dirait, dans ma tête, j'ai jamais rien à dire. Mais quand on me pose les bonnes questions, quand vous me posez des questions, ben, on dirait que là, ah oui, ça me fait penser à telle affaire, ça me fait penser à telle affaire. Je pense que je suis un gars d'anecdotes. J'aime en écouter, mais j'aime en raconter aussi. Ça fait partie de moi, c'est quelque chose que. Qui me nourrit, tu sais, j'adore entendre des histoires, tu sais, les plus farfelues les unes que les autres. Fait que je pense pour ça, mais j'aime ça quand c'est bien fait, tu sais, j'aime ça le monde qui, j'aime pas le monde qui parle nécessairement tout le temps d'eux autres, mais ça me dérange pas d'entendre parler d'eux autres quand c'est quelqu'un d'autre qui les, en tout cas c'est weird, mais j'aime ça quand quelqu'un les amène à raconter quelque chose, pas hey, je veux voir vous conter quelque chose. Moi, un humoriste et un conteur, c'est sa job, ça, oui. Là. Mais je parle dans un podcast, si on tout le temps nous capte, à un moment donné, ça deviendrait consanguin un peu. C'est bon qu'il y ait un roulement. Ouais. Ça serait malade que toi, dans un show de Jean-Marc Parent qui est juste dans la salle, comme bon, tabarnak, parle encore de lui. Encore un esti parling de lui, tabarnak. Esti de trop de cul de marde de Chris. Vas-y avec ton anecdote, là. Hein? Non, mais c'est justement, mais tu sais, mais non, c'est ça. J'adore tellement les anecdotes que Jean-Marc Parent, Michel Borel, c'est des idoles. Tu sais, j'étais allé voir Jean-Marc Parent, il a fait 5h30 de show. Après 2h, il a fait. Ouais. Par contre, je commence mon show. Oui. 2h30, tabarnak. D'habitude, on turn over, puis il a fait 5h30, c'était juste malade, tu sais. Ouais. Mais imagine ses techs, esti. Ah ouais, hein? D'après moi, il n'a pas. Il ouvre une lumière, il ouvre le micro. Le micro de Taron, esti. Chris, le gars, il arrive, il est en short, esti. Il a pas de styliste, il a rien. C'est pour ça qu'il est multimillionnaire. Il a jamais engagé un technicien. Tout l'argent des billets, puis c'est son cher, ces billets-là, genre. Ouais. Mais il mérite l'argent. Oui, oui, oui. Ouais, c'est clair. Si j'étais Jean-Marc Parent, mes billets seraient encore plus chers que ça, t'sais. Ah, ouais. Il est pas assez cher, hein, je veux dire. Comme j'augmenterais ça, ce billet-là. Mais selon toi, ce serait qui le meilleur intervieweur au Québec? Moi. Non, c'est pas... En plus, avec le beau dans le cou. Moi. Mais le meilleur intervieweur, c'est une bonne question, parce que moi, faut pas confondre intervieweur et animateur. OK. Tu sais? Parce qu'un animateur peut avoir justement sa dose de mettre des anecdotes. Des intervieweurs, n'a pas tant que ça. Mais t'as nommé Stéphane Bureau. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un des bons. Ouais. Sinon, je vais essayer de nommer une femme. Tu sais, moi, j'aime bien France Beaudoin. Tu sais, elle est animatrice aussi, mais intervieweur. Ben, sinon, ça peut être animateur aussi, si tu préfères. J'essaie de penser, ça me prendrait des choix de réponse. La juge Goldwater. OK. La juge, OK. Sinon... Ben, c'est pas vraiment des entrevues, là. C'est plus des condamnations. Quel show que j'écoute? Ben, tu sais, mettons, animateur, Patrice Lécuyer, j'adore Patrice Lécuyer. C'est pas entrevue. Qui est bon en entrevue? On dirait qu'il y en a moins, tu sais, parce que qu'est-ce que je trouve des entrevues à la télé, c'est comme raconte-nous une anecdote, plug ton show. Ouais. T'as 7 secondes. T'sais? Mais sinon, ça peut être sur le web aussi, si tu préfères, puis ça peut être en dehors du Québec. Là, je viens d'élargir ma question en tabarnak. Là. Vraiment? Là, t'es tout obligé de trouver de quoi, parce que... Non, mais Caroline, c'est que...
J'ai l'air bucké, je sais pas. Non. Bah, c'est toi, Mike. On... Mike, est-ce que tu me fais comme... Mais j'aime ça, cette question-là, j'aime ça. J'aime les questions qui me portent à réfléchir. Ouais. Puis, on dirait que j'aime beaucoup de trucs. Puis, honnêtement, puis, là, la réponse spontanée, là, je ne vais pas dire que c'est le meilleur, je ne veux pas y enfler la tête, mais mettons, Jer Allen, je trouve, c'était podcast. Oui, c'est vrai. Il est de mieux en mieux. Il est très informé, il est intéressé à l'invité. Il est capable de pas. Puis Jer ne punch quasiment pas dans ses podcasts. Là. C'est un Jer bien neutre. C'est pas nécessairement de ce qu'on voit d'habitude. Fait que je trouve que c'est une belle qualité de lui. Il met le monde vite à l'aise aussi, genre, j'ai l'impression. Là. Aussitôt que la personne est capable, ben vraiment, totalement d'accord avec toi. Aussitôt que je trouve que la personne a une bonne écoute, est capable de rebondir sur ce que la personne vient de dire, qu'elle veut pas nécessairement attirer le spotlight et qu'elle mette tout ça. Je pense que c'est la recette gagnante pour une bonne entrevue. Mais ça, Jer, c'en est un, mais je vois aussi. Il y en a d'autres qui me viennent en tête. Ça me fâche, je n'ai pas pensé à aucun show télé. Guy Lepage, mettons. Guy Lepage, peut-être. Notre génération aussi, je ne sais pas. Tu mettrais-tu Guy? Ben oui, non, mais Guy Lepage est très bon. Guy Lepage est très bon. Parce que dans ma tête, je suis comme, il y a 28 talk shows, mais il n'y a pas tant que ça. De moins en moins. Je pense que tu as raison sur le fait qu'on n'a tellement pas de temps à offrir aux invités. Parce que tu sais, Julie, ce qu'elle fait, c'est qu'il y a beaucoup de divertissement. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de temps pour l'entrevue. T'sais. Ça n'approfondit pas. Ouais. C'est un peu gênant de dire Salvaille aussi. Okay. Oui, aussi. Non, mais tu sais, Julie est bonne, mais tu sais, Véronique Loutier, c'est une icône. Elle est vraiment exceptionnelle. Mais c'est parce que, on dirait, je ne l'avais pas dans la cause interviewers parce que. Elle performe sur scène, elle anime, elle danse, elle joue dans des films. Fait que dans ma tête, je la classais. Mais j'essaie de trouver quelqu'un qui fait que des entrevues. C'est celui qui avait remplacé Véronique Cloutier, justement, dans Les enfants de la télé. C'était pas un gars. André Robitaille, moi, j'ai trouvé qu'il faisait une très belle job. Oui, oui c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Un que j'aime, c'est Sébastien Diaz. Là, vois-tu, cerveau commence à s'aérer. Je ne suis pas sûr de connaître. C'est quoi Télé-Québec, qui fait? Télé-Québec, hein, je pense. Oui, t'es à Télé-Québec. Ouais. Ah, OK. Excellent. Nicolas Ouellet. Il est excellent. Pascal Morissette, j'adore comme animateur. Oh, là, je viens d'en nommer trois. C'est pas j'aimerais ça nommer une femme. Je vais essayer de trouver une femme là, qui m'inspire. Puis c'est parce qu'on nomme tout le temps Véronique Cloutier, Julie Snyder, puis Patrice Lécuyer. Fait que j'essaie de trouver quelqu'un. Marie-Louise Arsenault, est-ce que tu écoutes dans les médias? Vois-tu? Elle est excellente. Exactement, c'est ça. Ouais. Marie-Louise Arsenault, excellente. Dans les médias, c'est un bon show. Ouais. C'est un très bon show. Des bonnes questions. Parfait, ça va être Marie-Louise Arsenault, ma réponse. Ouais, je voulais pas te souffler une réponse, mais je trouve qu'on parle pas assez de Marie-Louise Arsenault. Mais vois-tu, mais souvent, on donne pas beaucoup de crédit aux gens qui posent les bonnes questions. Je pense que les gens qui font shiner ce monde-là ont besoin. Puis tant mieux. Marie-Louise gagne super bien sa vie. Puis je suis bien content pour elle. Mais c'est vrai qu'elle fait une super bonne job. Mais des fois, j'aimerais ça entendre parler d'elle. Là, ça me donne un article d'un journal de Montréal. Là, on entend souvent parler des mêmes personnes. Ouais. C'est le genre de personnalité que tu fais comme « Hey, c'est intriguant, tu sais, elle fait quoi dans la vie, elle vient d'où? » Tu aurais l'invité sur ton live Instagram? Mais je... Tu viens de me faire une belle passe. On tient quelque chose. Ça pourrait être intéressant. On tient quelque chose. Ce serait intéressant. Mais ouais, on peut en parler vu qu'on est là-dessus. Mais ouais, ça, si le monde. Le salaire est comme si je closais le show, là, c'est pas ça qui se passe. Mais Call the gang, aussi party bitch every day! Non, mais tu fais des lives Instagram, dans le fond, qui prend un café avec des amis puis des. Tous les matins, depuis le 23 mars, j'ai fait 34 jours consécutifs. C'était intense. Pour vrai, je pensais pas, je me suis dit, bon. J'ai rien de se lever et prendre un café. Mais c'est pas bon, un café à tous les jours. Prendre du café à tous les jours, c'est vraiment pas bon. Dans la vie, je prenais pas du café à tous les jours, de un. De deux, se lever, être sur le gun, être quick dans ses réponses, d'être allumé. Tu sais, moi, je pige des questions, puis on y va avec ça, puis on essaie de. J'essaie d'avoir un rythme, j'essaie que ça punche un peu. Des fois, les 10, 15, 20 premières minutes, là, même des fois une demi-heure, je suis comme un peu comme bon. Demain matin, ils m'ont repris ma coupe qui était ici tout à l'heure.
Ah, ouais. Ah, c'est clair. Tu sais, fait que il y a ça qui est dur à Londres aussi, tu sais. Puis je trouve que c'est. Je pense que la semaine prochaine va probablement être comme la dernière semaine où je vais le faire régulièrement. Ah ouais? Mais il y a peut-être quelque chose. Parce que, tu sais, le monde commence. Il y a quelques personnes qui commencent à être déconfinées. Je suis pas sûr que c'est le genre de show qui est viable quand que les gens travaillent. Mais sinon, il y aurait manière peut-être de le sortir en podcast. Tu sais, peut-être qu'il y aurait manière de le sortir pour que le monde puisse le consommer dans leur retour ou whatever en travaillant. C'est ça. Mais le concept est encore pour. Moi, j'adore faire ça. Ouais. Mais le concept est peaufiné pour de voir qu'est-ce que je vais faire après, justement, comme tu dis. Parce que j'ai tout le temps eu une hantise de faire un podcast. La raison est simple, c'est que les gens, justement, comme on disait tantôt, considèrent déjà que Pas de temps à perdre est un podcast. Fait que ça serait weird de dire Pas de temps à perdre sort un podcast. Ouais. 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 Mais c'est pas déjà ça. Ouais. Ouais, ouais. Fait que là, c'est de démystifier le podcast, le show d'entrevue, puis d'essayer de. J'essaie vraiment que ça soit différent. C'est pour ça que je l'ai fait sur Instagram, c'est pas sur YouTube. Ouais. J'essaie que chaque show soit. J'essaie de faire des. J'essaie que Pas de temps à perdre devienne plus que juste des entrevues. J'aime ça faire d'autres choses, d'autres sites de culture. J'espère dans le futur faire d'autres choses. Mais là, c'est pour ça que je voulais pas nécessairement faire le. On prend un café avec live sur YouTube ou sur Instagram pour pas comme mailer le monde. Ouais. Pour dire ça, c'est mon standard de qualité sur YouTube, il est là. Sur Instagram, c'est différent. Puis, c'est ça. Je pense que chaque plateforme aussi a son public. Là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué un peu. Là. Moi, je remarque ça récemment à cause que tout le monde, il y a beaucoup de monde sur Internet. Mais oui, il y en a. Moi, je suis partout. Là, mais je ne suis pas sur Twitter. Mais encore là, justement, sur Twitter, c'est un autre crowd. Il y a du monde qui sont que sur Instagram, il y a du monde qui sont que sur TikTok. Je salue les personnes qui sont sur TikTok. C'est cool, TikTok. C'est pas weird. C'est nice, TikTok, les chums. Qu'est-ce que vous faites, calice? Mais tu sais, c'est une différente crowd sur Facebook, c'est une différente crowd sur YouTube. Il y a du monde qui me disait sur YouTube, la chaîne cette année, ma chaîne a passé de 1100 à 5500, genre. Puis il y en a, t'es comme, hey, quand t'étais où avec? Ça fait 5 ans que je suis sur Facebook. Toi, t'étais où? J'ai catché qu'il y a du monde là-dedans. Ils sont encore là sur Facebook. Ils ont jamais checké ça. Ils m'ont découvert sur YouTube. Ils me suivent que là-dessus. Pareil sur Instagram. Là, depuis que je prends un café, j'ai gagné comme 2000 abonnés. Ce monde-là, ça savait pas que je faisais des affaires sur YouTube. Là, je fais tabarnak. Fait qu'il faut que tu gagnes du monde un peu partout pour les amener sur tes différentes plateformes. Fait que pour ça que je veux pas faire. Tous les projets à la même place, puis j'essaie de faire des projets un peu partout. Fait que pour l'instant, le café, ça reste sur Instagram, ça reste 24 heures. Je trouve qu'il y a de quoi de fun, il y a de quoi de spontané, il y a de quoi de vraiment différent, justement. T'sais, c'est comme ça, ce qu'on faisait là, les gens pouvaient répondre, puis on disait, hey, on a une question au public, puis tu sais, ça ferait vraiment différent, mais ça serait pas on se barre le casque, ça serait une autre affaire, tu sais. Ouais. Ben, sur TikTok, nous autres, on pensait faire à tous les matins des lignes de speed avec Gildaroy. Ouais, on va sniffer du speed. C'est sûr qu'il faudrait y en parler à lui avant. Effectivement. Parce que je suis pas sûr qu'il prend du speed. C'est une question qu'il va falloir tout lui poser. Tout le monde en prend. Je suis sûr que le vieux Gildor en faisait. J'aime penser à Gildarois qui fait de la coke sur sa mère. Ouais. Surtout qu'il y a des grosses mains, tu sais. Oh, des grosses traces. Une grosse et une énorme. Une grosse et une énorme. Fait que même sa main normale est grosse, mais l'autre est énorme. Oh, man. Wow. Mais je me demandais, c'est parti comment de Pas de temps à perdre? Parce que, tu sais, même, genre, dans les premiers épisodes, t'avais déjà quand même des gros noms, genre. Je me demandais, pas du début. Pas de temps à perdre, j'ai fait l'école ProMédia en 2013. C'est une école de radio communication. C'est une école de communication où on apprend à faire de la radio, à faire de la télé. Puis ça dure 5-6 mois, puis à la fin, on fait une entrevue, puis avec un artiste comme imposé. T'sais. Puis moi, j'avais Jean-Michel Dufault. Il m'a dit, t'as 6 minutes. Là, j'étais comme, j'avais écrit genre 18 questions. J'étais comme, c'est sûr, je n'ai pas appelé. J'avais comme trop de questions, puis je voulais toutes les passer back to back. J'avais dit, pas de temps à perdre. Fait que là, en chaque question, j'étais comme, bon, on n'a pas de temps à perdre. Puis là, j'étais. Puis la boîte de céréales que j'ai encore, que j'ai gardée,
C'est parce que notre prof, Stéphane Leduc, que je le salue dans toutes les fois que je mentionne cette anecdote. J'espère qu'il l'a vu au moins une fois. il aime ça, name dropper. Mais il avait dit là, ça vous prend des beaux cartons, là, si vous voulez poser. Soit que tu n'as pas de carton, soit si tu as des cartons, ça prend des Q-shades, ça prend des petits cartons. Puis moi, j'avais pas de carton, j'habitais avec trois filles comme coloc à Montréal. Puis le seul carton qu'on avait, c'était une boîte de céréales d'avoine croquante. J'ai juste collé mes questions là-dessus. J'étais arrivé la journée que je faisais l'entrevue avec Jean-Michel Dufault. Il revenait de voyage, il était brûlé. Puis là, les deux premiers qu'il avait passé en entrevue, je chantais, il était comme, ah, tu sais, il répondait, tu sais, t'es smart, là, mais tu sais, t'es fatigué. Puis là, moi, tu sais, ta première question, je pense que la première question, je parlais de foursome, genre. Ça l'a comme déstabilisé. Genre. Mais tu sais, c'était pas gratuit de même, comme je viens d'en parler. Ouais. Je me souviens, il y avait un lien. T'as-tu déjà enculé quelqu'un qui t'a enculé? Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Que... C'était pas ça. Ok, c'est ça. Ben, je veux juste voir le. Ok, là, je comprends. C'est mieux pour finir. Ouais. Non, mais sur YouTube, si ça vous tente d'aller voir, je l'ai mis sur YouTube. J'ai pas de barbe, j'ai pas de cheveux, je me ressemble fuck out. Mais c'est là qu'est né pas de temps à perdre l'idée. J'avais appelé ça pas de temps à perdre. Puis là, il y avait la crowd, c'était les autres élèves, puis ils ont fait hey, c'était bon. Pour vrai, d'habitude, j'étais nul. Tous les exercices qu'on faisait, j'étais pas bon. Soit le plus nul ou le deuxième plus nul. J'avais pas des bonnes notes. J'étais là pour le fun. J'étais là surtout pour apprendre. Puis me sortir de ma zone de confort, puis surtout parce que l'École nationale de l'humour m'avait refusé trois fois. Fait que c'était comme mon plan D. T'sais. Fait que finalement, j'ai fait cette entrevue-là, puis une année ou deux après, je me suis lancé. Là, ça va être le bout le plus triste de l'anecdote, mais quand même, je tiens à le mentionner. Il y avait un élève qui était décédé à Promédia. J'étais rendu technicien. On avait tous été à ses funérailles. Puis sa mère nous avait dit, hey, vous êtes encore là. Vivez vos passions pendant que vous avez la chance. Ma fille n'aura pas eu la chance de le faire. Puis elle voulait aussi être animatrice. Puis j'ai fait, OK, c'est vrai, moi je me pogne le cul depuis deux ans à surfer sur ma vieille entrevue de là deux ans. T'sais, non, mais tu sais, je faisais rien. Je faisais un peu de stand-up. Et ça, t'es là, mais rien de sérieux. Fait que là, à partir de ce moment-là, le lendemain, j'écrivais à 150 artistes. Je dis 150, c'est peut-être moins que ça. Tu sais, d'ailleurs, ceux qui sont venus, Bob Lechef, José Lavigueur, Georges Larac, qu'on parlait tantôt, Kim Rosk, j'en passe. J'avais écrit à plein de monde une lettre. Puis là, j'avais comme convaincu à l'école où je travaillais qu'ils me prêtent le studio, les micros, j'avais des caméras. Puis là, ça a commencé comme de même, juste en me donnant un coup de pied dans le cul, en disant « Qu'est-ce que tu fais quelque chose? » Puis ben, je parle comme si ça faisait centaines, mais à l'époque, il y a cinq ans, là. Mais il n'y en avait pas beaucoup de podcasts. Là. Il n'y avait pas vraiment d'entrevue sur le web. On parlait de sous-écoute. Sous-écoute, tu es encore en format comme on fait là. Fait que du one-on-one, c'était comme nouveau un peu. Puis là, j'étais comme, ah, j'ai un nouveau produit. T'sais. Fait que j'étais bien content d'arriver avec ça. Puis après ça, est venu justement la suite, le banquier. J'ai produit mon propre studio et c'est là qu'après ça, est né pas de temps à perdre devant le public. T'sais, à chaque année, il y a tout le temps une évolution à ce show-là. Ouais. Mais ça a vraiment parti comme d'une affaire que j'étais supposé faire, un projet d'école. T'sais. J'avais appelé ça pas de temps à perdre. En ce moment, pas de temps à perdre, ça n'a aucun lien. Dans le test, parce que j'avais 6 minutes. À ce temps, je fais des entrevues d'une heure et demie. Mais je suis pris avec le brand, pas de temps à perdre, qui n'a plus aucun rapport. Ça n'a plus rapport. Ouais. Mais c'est accrocheur quand même. Ouais, c'est accrocheur. On se rappelle du nom. Ouais. Mais on se rappelle du nom, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est accrocheur. Mais à la base, c'était vraiment parce que hey, on n'a pas de temps à perdre. Puis à ce temps, c'est comme. Ouais, mais tu sais, rendu là, je pense que n'importe quel nom, tu sais, autant que ce soit genre un band de musique ou whatever, il y a tout le temps un bout que genre tu fais checker, mais ça n'a pas de sens. Hein. Tu sais, notre podcast, j'ai trouvé ça drôle pendant 6 mois, puis maintenant, j'étais comme, ouais, c'est une merde, notre nom, puis après un certain temps, t'es comme, ben non, c'est notre nom. Ben ouais, non, c'est ça, on l'assume. Mais ouais, non, je suis bien content du nom, pas de temps à perdre. La preuve, si je n'étais pas content, je ne le mettrais pas sur mon char. C'est écrit en gros, sur mon char, pas de temps à perdre, il y a ma face en cartoon. Oh, oui. Il y a ma face sur mon char, il y a mon nom. Fait que, quand tu te promènes, là, je suis comme, pourquoi la personne me regarde? Oh,
Ma face et mon logo sur mon char. Je me prends tout le temps des t-shirts là-dessus de pas de temps à perdre. Ah ouais. Mais non, je suis très content de ce nom-là. C'est juste qu'il ne fit pas nécessairement avec. C'est pas comme première fois. Ouais. La ligne directrice, c'est les premières fois. Les enfants de la télé, c'est des enfants de la télé. Pas de temps à perdre, tu sais. Ouais. Si tu fais rien dire le nom, tu sais pas ce que ça veut dire. Que le nom est mal. Mais c'est ça qui est ça. Ouais. Tu vois, je connaissais pas l'histoire du nom, mais je le voyais déjà comme ça, comme le fait que tu gâtais, que tu te permettais de vivre ta passion, puis d'y aller à fond, puis que c'était comme un cadeau que tu te faisais. Puis, tu sais, le fait d'avoir des entrevues longues aussi, tu sais, c'est de prendre le temps de vraiment bien faire les choses. Puis je me demandais, tu parlais de la qualité d'écoute tantôt, est-ce que c'est arrivé un moment où... tu me coupes pendant que je parle de qualité d'écoute. Non, non, mais il y avait... C'était parfait, le timing, parfait. T'as une qualité d'écoute, A1, moi, je m'en vais pisser. Il a juste fait comme... Il m'a regardé, là, avec une... Je me sens tellement importante. Il m'a regardé, là, il m'a lâché un look terrorisé de « Faut que j'aille pisser right now, parce que si je sais... » Genre, si je vais me pisser dessus, là. C'était parfait. T'aurais dû voir son look. Magique. Magique. Okay, mais je t'écoute, Vanessa. Je t'écoute. Merci, Marc-Antoine. Attends, je vais aller chier, moi, je... Excuse-moi, Vanessa, vas-y. Non, c'est parfait. Est-ce que tu as souvenir d'un moment d'entrevue où ton écoute t'a emmené complètement ailleurs que ce que tu avais prévu au départ? Oui, vraiment. C'est arrivé dans ma dernière entrevue, c'est un des souvenirs les plus récents. J'étais avec Julien Lacroix, puis je me souviens, moi, je montrais plein de vieux stocks, des vieilles vidéos qu'il faisait avant même qu'il soit connu, des affaires qu'il avait faites au secondaire, puis je le voyais, il était mal à l'aise. Mais pas mal à l'aise parce que j'avais trouvé ça juste comme... Je voyais qu'il avait honte, c'était comme, ah mon Dieu, il avait pas l'air fier, puis j'étais comme... Okay. Mais moi, au début, je pensais qu'on allait en rue et qu'on allait discuter de la vidéo, mais il faisait juste regarder la vidéo et disait « Ah, je ne suis pas bien. » Fait que mon angle a vraiment changé puis j'ai fait « Tu sais que tu viens de gagner comme trois oliviers, tu as telle affaire, tu as plein de succès, mais tu as comme de la misère à voir ce qui t'a amené là. Qu'est-ce qui te rend anxieux de voir ça? » Puis l'entrevue a vraiment comme changé de bord, tu sais, de ce que je pensais, mais c'est à force de faire des entrevues que je suis plus à l'aise aussi d'aller dans des sujets peut-être moins drôles, tu sais. Parce que à la base, pas de temps à perdre, ça se voulait que drôle. Je faisais une entrevue de 45 minutes, je raccourcissais ça à 8, puis c'était tight, juste une question, une ligne et un punch, prochaine question, une vraiment bonne anecdote salée. À cette heure, c'est plus comme j'y vais avec le flow, tu sais. Ben, je connais tellement mon invité par cœur que je suis capable de le suivre un peu. Ben, un peu, même pas mal. Puis, avec Julien, justement, c'est une affaire qui m'avait marqué, tu sais. Avec Yannick Demartino aussi, à un moment donné, j'avais montré une photo. Il m'avait une photo de lui assis sur Père Noël, puis il a comme 17-18 ans. Je pensais qu'elle allait me compter de quoi de drôle. Elle m'a dit ça, c'est la seule photo que j'ai eue avec mon père. Oh, pelin! Wow, shit! Là, tu fais, ben là, on va changer le langue, là, tu sais. Ouais, mais... Moi, je pensais que c'était quand même, c'est drôle en Christ, t'es allé t'asseoir chez le Père Noël à 18 ans, puis là, finalement, ça... Ah ouais, OK. Tu te souviens que ton père... Ouais, ouais. À partir de ce moment-là, je me disais, OK, ben là, faut changer un peu le langue, là, tu sais. Fait que l'entrevue change pas nécessairement au complet. J'essaie que le rire soit comme privilégié. Puis j'essaie tout le temps de mettre un petit moment touchant, il y a un public, fait que, on essaie de... Ouais. C'est comme de la web télé, tu sais, fait que... Ouais. J'essaie de mettre un petit côté là-dedans, mais... Justement, c'est important d'être à l'écoute pour dire... J'avais peut-être prévu quelque chose, mais on va vivre un autre moment, tu sais. Marc-Pierre Morin, quand il est venu, elle est comme... Ah oui, sa mère m'avait envoyé une vidéo, on montre la vidéo, puis sa mère a fait racler des menteries, finalement. Mais moi, je pensais qu'elle me disait la vérité. Elle fait comme, ma mère est bien menteuse, je suis là. Elle dit, on l'appelle, puis on lui dit. Mais tu sais, si je m'étais juste fait à mon carton, là, ouais. Il n'y avait pas l'appel. Là, je suis comme, ben moi, c'est là, on va vivre un moment. M'a coupé deux questions que peut-être qu'il était... Peut-être qu'on mais on aurait vécu d'autres choses, mais j'aurais empêché, j'aurais comme coupé la vibe. Là, la vibe, le monde était comme, ouais, on l'appelle. Puis, t'es animateur, là, t'es l'intervieweur, tu suis des fois, là, t'embarques dans le train, puis
Moi, je me fais, c'est sûr que tu as tout le temps un planning, me dire, OK, j'aimerais ça parler de ça, 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 ça. Là, des fois, j'arrive chez nous, je suis comme, pas parler de trois sujets que je voulais parler, mais l'entrevue, je pense qu'elle était excellente, tu sais. Ouais. Des ouais. fois, justement, je prenais trop place où j'étais comme, j'arrêtais un moment qui était le fun pour aller faire quelque chose, puis là, finalement, ma question était moins bonne que qu'est-ce qu'on venait de vivre. Fait que là, je me disais, hey, vis, quand t'as un moment, moins le fun, là, rebondis avec ta prochaine, tu sais, ben, moins le fun. Juste comme l'anecdote, c'est sûr, puis on ouais. passe au prochain, mais sinon, je pense que c'est important de suivre la vague. Ouais, mais ça prend une sensibilité, je pense, quand tu interviews quelqu'un ou whatever, tu faut que tu sois quand même humain pour genre. Ben vraiment, mais tu sais, il faut que tu embarques vite dans le mood de là. Ouais. Tu sais, souvent, tu interviews, tu sais, c'est exactement ce qu'on fait là. T'sais, on venait ça, j'avais déjà jasé une fois, mais tu sais, les boys, on s'était jamais jasé. Ouais. Fait que tu sais, faut instantanément comme créer une chimie qui n'existait pas cinq minutes avant. Ouais, non, c'est vrai. Fait que c'est à chaque fois, c'est ça que j'ai à faire avec mes invités. Des fois, je passe même souvent par leur agent. Fait que des fois, ils ont peut-être même pas idée. Ben, je sens qu'ils ont tout le temps un peu aidé Chiki parce que. Ils vont voir peut-être pas, un peu. Ouais, tu peux pas venir pas de temps à perdre. Vraiment pas savoir. T'sais, tu viens à Valleyfield. Ouais. Ouais. D'une salle de spectacle, faut que tu ailles écouter au moins 5 minutes pour te faire à l'oreille de à quoi t'attendre. Mais la part, ça pas vraiment Chiki. Ils connaissent pas mon background. Ils me connaissent pas. Fait qu'ils ont la surprise en même temps que tout le monde. Ouais. Puis moi, c'est à moi de m'adapter. Puis avec. Ok, mais cette personne-là, ça étend. C'est Michel Barrette, j'avais préparé 75 questions, mais j'ai en déposé deux. Puis Michel, ouais, c'est clair. Quand il part, mais je l'ai laissé aller. Puis il a donné un assez bon show. Là, ah, Chris, ouais. Ah, c'est même. Tu mettons, si lui est content aussi, j'imagine, il donne plus de jus. Là. Fait que ben, genre, totalement, tu sais, moi, ouais, il a été reçu à un autre show, puis après ça, il a dit hey, moi, n'importe quand, ce gars-là me réinvite, c'est sûr que je vais. Je suis comme, tu sais, c'est flatteur, là, vraiment. Ben oui, Chrisman. Il y a Alexandre Barrette aussi, excuse-moi, qui t'envoyait des fleurs. Vraiment, oui. C'est drôle un peu, ces deux, vous avez une voix quand même assez similaire. Genre. Tout le temps mérité mes fleurs, mais oui, non. Mais là, j'essaie de répondre à deux punchs en même temps. Mais. Oups, excuse-moi, c'était pas. Mais non, c'est. Le roi du timing. Je me sens mal, là. M'allais me crosser. Je suis rempli. Ouais, je suis rempli de bonnes intentions, mais des fois. Mais non, mais oui, non, c'est ça. Un, oui, il y en a souvent qui comparent que j'ai la même voix qu'Alex Barrette ou le même rire qu'Étienne Dano. En tout cas, il y a un mix. Il y a un mélange. Il y a quelque mais chose. Oui, il m'avait lancé, Alex, j'ai eu vraiment beaucoup de fun. On s'est saoulé un peu quand il est venu. Il a fallu qu'on aille manger une poutine après le show pour comme déguiser avant qu'il fasse son char. On a fait comme un 2h15. Il a manqué d'acclimatiser. C'était dans le temps que j'étais dans mon studio à Beauharnois. Puis après ça, l'entrevue, je l'ai sorti comme un an et demi après. Ça s'est perdu un peu dans les brumes parce que je faisais d'autres choses. Puis tu sais, je monte toutes mes affaires moi-même. Puis par surprise, il a tombé dessus. Il m'a fait un nasty de bon mot sur Facebook comme ce gars-là, c'est sûr qu'il va faire ça. Puis j'étais là, my God. Oh, tu sais, ouais. Des fois, ça fait tout le temps. Il y a une personne qui n'aime pas ça recevoir des belles fleurs. Tu sais. Puis, je m'en suis fait un collier avec. Oh yeah! Mais non, c'est ça. Mais non, je suis bien content que quand les invités apprécient. Puis même après, se rappelle qu'on met ça pour soit le poster sur Facebook ou écrire un mot sur Instagram. Puis, ouais. Mais ça fait tout le temps. C'est une belle tape dans le dos. Quand les invités prennent le temps de t'envoyer des fleurs après. Tu sais. Es-tu bien stressé avant de commencer tes shows? Je suis pas parlant. Honnêtement, ah ouais? Je suis dégueulasse. Je dois être comme. Je vois ça comme quelqu'un qui s'en va essayer un nouveau numéro. Mais qui aurait mis 40 heures sur le numéro. T'sais, des fois, si tu mets genre la veille, t'as écrit ton numéro, si t'es stressé, t'as le droit d'être stressé, mais ça se peut que tu te plantes. Ouais. Mais moi, si je suis comme, je m'en vais faire un numéro, je le referai jamais. Fait que je veux pas me planter. C'est clair. C'est comme si j'allais. Je peux pas comparer un gars-là parce qu'un gars-là, quand même, 2000 personnes. Mais mettons, c'est comme si tu disais, je m'en vais faire un numéro pour une audition de Comédia. Mais je ne l'ai jamais fait. Mais si je veux être accepté à Comédia, il faut que je corps à cette fois-là. Mais je ne l'ai jamais fait. Fait que j'ai le même track, même si je m'en vais juste poser des questions. Mais je parle quand même devant un public, je m'en vais jaser avec quelqu'un que je ne connais pas. Il y a des gros spotlights sur nous autres. J'ai chaud, je dégouline, j'ai du maquillage. Il y a de quoi d'absurde qui fait que, oui, je suis hyper stressé.
j'ai du fun après 5 minutes. Aussitôt que j'ai un premier rire, là, c'est parti. Puis quand je vois que le monde embarque, puis que l'invitant embarque dans mes niaiseries, puis là, je vais me permettre de puncher, puis s'il y a quelqu'un qui me parle, je fais hey, excuse-moi, t'as-tu fait 40 heures de recherche pour lui poser une question? quand je suis capable de dire ça, c'est parce que j'ai pogné mon œil, j'ai gagné mon public, j'ai pris l'invité, là, ça, là. Ah ouais. Le stress tombe, après ça, je m'en vais au doulis après l'entrevue, puis je me fais la face. Mais j'ai l'impression que ça finit par devenir quasiment ingrat comme un arbitre, genre, un arbitre de sport. T'sais, mettons, si tu fais une bonne job, le monde ne remarquera pas vraiment. Ils vont juste dire ça va de soi, que ça soit correct. Mais si tu fais une petite erreur, là, ça tombe tout sur toi, genre. Mais, ton exemple est bon, mais je pense que ça ne s'applique pas nécessairement non. Parce que des fois que moi, je me suis trouvé moins bon, j'ai pas nécessaire. À part, mettons, mon équipe rapprochée, mes caméramans, ceux qui travaillent, qui travaillent dans le dos de l'équipe vont faire comme « Ouais, un soir, c'était pas ta meilleure marque, puis je vais être bien d'accord, je vais tout le temps dire si. » Même moi, je vais être devant comme « Ah, moi, dans les loges, puis ah, j'aurais dû dire ça. » Puis quand il m'a lancé ça, j'aurais dû répliquer. Ouais. Tu sais, des fois, les répliques viennent pas tout de suite, puis tu sais, t'es plus fugueux, j'étais moins dans la zone. Des fois, je me regarde aussi animé, ce qui est vraiment pas une bonne chose. C'est comme si tu performes en stand-up et tu dois parler devant le monde. Il n'y a rien de peur parce que t'es plus dans ton corps. T'sais. Mais je pense pas, à part le monde qui connaisse beaucoup ça, le centre. Ouais. Le monde sont beaucoup stickés sur l'invité. Fait que si l'invité est drôle, il remarque moins que moi. Je vais quand même envoyer des vidéos comiques de la fait. Je me suis jamais royalement planté. Des fois, j'étais un peu moins bon, des fois, j'ai moins d'éloges que d'autres. Il y a des fois, hey, t'étais vraiment bon. Mais c'est jamais. Peut-être que le monde sont trop malhonnêtes et ils me disent pas si j'étais mauvais. Là. Mais j'ai jamais. Même quand des fois, je me trouve moins bon, je vois quand même, hey, c'était vraiment le fun de ta soirée, c'était cool, j'ai bien aimé ça. C'est sûr, j'en reviens. Mais dans la tête, je fais bon, si tu aimes ça et tu reviens avec n'importe quel invité, tu dois aimer ma job. Oui, c'est sûr. Parce que l'invité ne reviendra pas. Mais c'est arrivé une fois que ma soeur, elle m'a raconté, parce que ma soeur vient souvent voir mes shows aussi. Puis il y avait deux madames qui s'en allaient, puis là, elle a dit, je sais qu'on ne savait pas qui on s'en voit, puis là, elle check, c'est le billet, là, c'est écrit pas de temps à perdre avec Marc-Alain Moutier. Elle fait, je vais acheter des billets pour Michel Barrette, moi. Tu sais, bien là. Fait que des fois, ça arrive qu'il y a du monde qui vient voir le show, mais ils ont juste vu l'affiche avec Michel Barrette, puis ils ont fait « Michel Barrette à 20$, Chris, on va y aller. » Déception. Ah, arrive, puis, il y a deux fauteuils, mais il y a un fauteuil, c'est moi. Asti. Puis... Non, vas-y, Vanessa. Je voulais juste t'entendre sur l'importance du public, parce que, tu sais, des entrevues, tu pourras en faire dans d'autres formats, là, comme beaucoup d'autres. Puis la question se pose aussi avec ce qu'on vit actuellement. Là. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à avoir des salles remplies? Toi, tu dis, dès que j'ai mon premier rire, je commence à relaxer. Est-ce que c'est à ce niveau-là que tu as besoin d'un public? C'est quoi que ça vient chercher chez toi? C'est sûr que s'il n'y a pas de public, je serais moins stressé. Ça me stresse aussi. Okay. Il va-tu rester le monde? J'ai-tu vendu tous mes billets? Ça va-tu être rentable? Fait que tu sais, il y a le côté businessman aussi, là. Il n'y a pas juste. Si j'étais juste l'animateur, ma job serait diluée dans le niveau stress. Là, c'est comme OK, tu sais, j'ai pas une méga équipe. Fait que j'essaie de penser un peu à tout. OK, là, Marc, on n'a pas la pince pour la GoPro. OK, là, elle est où? J'aide à chercher. Je suis pas sûr que Véronique Moutier aide. J'enlève rien, elle fait 1000 bonnes affaires, mais vous comprenez qu'on n'a pas la même. Elle n'a pas de pince à GoPro, Calis. Elle n'a pas de pince à GoPro. Mais vous comprenez qu'on n'a pas le même staff qu'une équipe de télé. Fait que je pense à des affaires qu'un animateur ne devrait pas penser avant un show. La raison pourquoi j'ai un public, c'est parce que oui, c'est devenu rentable à cause de ça. La seule affaire, qu'est-ce qu'il n'y a pas de public, pas de public, c'est. Je sens des fois les invités, on peut moins aller crunchy, des fois on va moins dans les détails un peu, s'il y a un public, que quand il y en avait moins. On va dire qu'il y en avait moins, le monde, ils ne se rendent pas compte. Ils sont comme, on est une vingtaine, on compte une anecdote. On va mettre plus de détails, ça va être plus drôle, parce que après ça, ça s'envoie sur le web et c'est spreadé à des milliers de personnes. Mais quand il y a 125 personnes, le monde, pendant qu'on a une salle. Fait qu'il y a comme deux beaux temps médailles. Autant j'aime ça
en salle, autant j'avais l'intimité de... On est dans une petite pièce fermée, c'est le fun, tu sais, puis... Mais esthétiquement, ça look pas mal plus avec ton public, là, pour vrai, là, genre, ouais, c'est... Ouais. Ça look tellement professionnel, pour vrai, là, c'est fou ce que t'es capable de faire, là, c'est... T'es vraiment fin, mais c'est ça, moi aussi, je trouve, quand je regarde ça, je fais comme... T'as un jour de l'air, tu sais, je regarderais clair, moi, puis même, je suggère à tout le monde qui écoute, ben, n'importe quel show, mettez-le sur la télé, tu sais, il y a plein de shows de YouTube qui sont vraiment bons, mais qu'on, c'est sûr, si tu regardes ça là-dessus, t'auras pas toute la qualité que tu peux avoir, tu sais. Mmh. Fait que j'invite les gens à le mettre. On a toute l'application pour mettre sur YouTube, sur notre TV, tu sais. Oui. Moi, j'ai une petite question. Je veux pas empiéter sur tes questions, Marco. C'est des super bonnes questions. Juste tantôt que je me gêne pas. Parce... Mais non. T'as-tu déjà pogné un petit gars à gorge? Non. Ah, bon. Ça valait donc bien la peine. J'ai gâché ma question. J'étais comme peut-être que t'as une anecdote par rapport à ça, mais je me suis déjà fait pogner à gorge, moi. OK. Ah, tu es déjà fait pogner? Ouais, mais par le Chris, cette question de marde-là, tabarnak. T'avais quel âge, là? secondaire 3, puis j'avais écœuré un gars qui était clairement plus fort que moi, clairement plus en chute que moi. Mais mon ami, il m'avait dit, va lui dire qu'il a juste une couille. C'est quand même drôle comme insulte. Ouais, c'est... Ouais, mais parce que l'affaire, c'est que c'était vrai. Ah, OK, c'était vrai. Fait que tu sais, c'était juste... T'as pas une insulte, c'était juste méchant, tu sais. Ouais, hein? Mais tu sais, en secondaire 3, j'avais pas vraiment de fil. J'étais épais un peu. Il s'est levé, il m'avait pogné à la gorge. J'étais petit, là. J'étais vraiment des petits. Il m'avait accoté dans les cases avec une main. Puis avec son poing, il m'avait juste fessé juste à côté de la face. Hey, il avait retiré, il avait les jointures pleines de sang. Tu sais, m'avait déposé, j'avais genre les deux gouttes, ça. Je pleurais. C'est clair. C'est sûr, ça peut se sentir la vibration de la case, comme si ça avait mangé le coup. Il était parti. Puis moi, comme un con, j'étais allé leur narguer. J'étais comme, ouais, c'est ça, tu. Prochaine fois, moi. T'sais, puis je me souviens plus que j'avais dit. Oh. Mais après ça, j'étais comme. C'était un moment de survie de ça. What the fuck? Ouais. Wow. Après ça, on se reparlait avec ce gars-là, je faisais de l'impro, puis il était bien smart, là. Oui, mais là, c'est parce qu'il te veut que Georges Larac, puis tu sais, comme il dit, là, gars, je l'ai qu'un. Avec mon chum Georges. Mais c'est ça, très pertinent ta question, ouais. Phil. Yes! Ah non, mais ça fait plaisir. Moi, c'est toujours une question, mais toute une. Ah oui. Non, mais une chance que j'ai quand même été assez vite pour virer ça de bord. Parce que, ben oui, une chance. Ben, ça, je pratique les instincts premiers des gens. Là, oui. Ça va, tu fais bien. Non, mais c'est la jungle secondaire, pour vrai. Il n'y a personne qui est bien dans sa peau, puis tout le monde essaye juste d'aller genre comme un peu tirer sur le monde pour essayer de se remonter. Là. C'est weird. C'est une drôle d'époque. Ouais, vraiment. Ouais. Non, Chris. Je regarde mes questions. Je pense que je passais pas mal au travers. Ouais, mais sinon, ouais. Tu fais du stand-up aussi, je pense? Je recommence un petit peu. J'anime une soirée d'humour jeune. Ah, toujours à Beauharnois ou? À Beauharnois, au vieux Beauharnois. J'anime une fois par mois. On voulait faire une fois deux semaines, mais là, ça a comme arrêté par défaut. J'anime. Je fais beaucoup d'impro aussi. Je fais des jeux. Je pense que je suis bon pour puncher quand. J'ai de la corde, tu sais. OK. Je suis pas... un texte, c'est pas nécessairement ma force, fait que je laisse ça aux autres. Si tu me vois sur une scène faire du stand-up, ça va être 4-5 fois dans l'année, purement pour le plaisir. J'irai pas voler le spot à quelqu'un. Je trouve qu'il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de monde qui font ça très, très bien. Puis j'aime beaucoup plus faire des entrevues, j'aime beaucoup plus faire des tapis rouges, j'aime beaucoup plus faire des trucs sur Internet. Mais sinon, des anecdotes, ça, j'imagine que tu as dû déjà essayer d'en faire? Ou... Quand j'ai commencé à faire du stand-up, j'étais tellement gêné. J'ai commencé à 21 ans à faire de la scène. Ah ouais? Puis ça, à 21 ans, t'as pas tant d'anecdotes que ça. Tu te rends compte, au final. Là, j'ai 30. Pourquoi tu devais te pogner à la gorge par le gars qui avait une gosse? Bon, vois-tu, je l'avais jamais compté. T'sais. Non, tabarnak, une deuxième primeur. C'est ça. Ben, en tout cas, je l'avais jamais compté en stand-up. T'sais. Mais... je pense que c'est important d'avoir des affaires comptées. Puis, tu sais, moi, si j'étais bien un ligne, un punch, j'ai relu tantôt des textes. Là. Je suis tombé dessus. Puis... C'est gênant. Ah ouais? Tu sais, il y en avait une bonne, une moins bonne. Tu sais, c'était décousu, mon affaire. C'était pas. Des fois, je rendrais très fort. Des fois, c'était dégueulasse. Mais je prenais pas assez. Tu sais, je pense que
c'est la force si tu veux percer, si tu veux perdurer dans ce milieu-là. C'est un, la constance, le travail. Le talent, c'est des petites affaires. Puis je mettais pas le travail nécessaire. Si j'avais mis le travail nécessaire, puis j'avais mis l'amour nécessaire, je serais probablement plus haut comme humoriste en ce moment. Mais j'ai décidé de le mettre ailleurs, puis cet ailleurs-là me plaît beaucoup. Peut-être qu'un jour, qui sait, tu sais, je prends comme exemple Jean-Sébastien Gérard qui allait faire un one-man show, puis qui n'a jamais vraiment fait de scène, peut-être qu'un moment donné, la vie va me ramener, tu sais, parce que je considère que pas de temps à perdre, c'est encore de l'expérience de scène. Même si je la partage avec un invité, je suis quand même là à faire un public. Fait que ça, c'est pas perdu. Mm-hmm. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose. Tu sais, j'ai fait la première partie de Charles Deschamps, j'ai fait la première fois au bordel. Nice. J'étais nul à chier, j'étais arrivé avec un personnage. J'ai fait du vieux stock qui rentrait fort, là. J'étais sûr que ça allait bien rentrer. Bon, on a trouvé ça weird, je pense. Ah ouais, ouais. Oh non. Mais, tu sais, j'avais assez d'expérience pour faire comme. Ouais, ça va être ça à soir. Puis je l'ai pas. Tu te dis pas, mais tu fais juste comme. Tu continues, tu fais bon. Ouais. Ben, fait j'ai passé over it. C'est pas un but ultime pour moi de faire du stand-up. C'est vraiment parce que ça me sort un peu de ma zone de confort une fois de temps en temps. Mais comme je dis, il y a trop de monde qui sont excellents là-dedans. Puis il y a trop de monde qui sont pas assez bons, tu sais, qui bûchent pas assez. Je suis comme bûcher. Si vous voulez vraiment faire ça, mais travailler plus fort, tu sais. Ouais. Mais nous, j'imagine que ça se fait naturellement. T'sais, si vraiment, mettons, si tu avais eu genre autant le même plaisir, mettons, que tu Ouais. Mais c'est ça, j'ai déjà fait une crise de panique pendant le numéro. Je suis sorti, je pleurais. Oh. J'ai la bouche à une meilleure soirée dans le temps. Puis il m'a dit, tu sais, Marc, c'est comme tu plantes un mot, c'est comme tu te plantes en vélo, tu remontes tout de suite, puis on. Ouais. Il m'a fait remonter, il a animé comme deux minutes, il a dit hey, on. Puis il m'a représenté, j'étais arrivé, j'avais les yeux pleins d'eau. Faites une joke, ça arrive par pitié, j'ai crisé mon camp, puis je pleurais à chaudes larmes. Ouais. J'avais un blocage, j'étais plus capable de parler. J'avais plus une parole. J'étais. Ah ouais. Ah non, le traumatisme. Ouais, ça a fait mal en dedans, puis j'ai fait OK, ben là. À partir de ce moment-là, je commençais aussi pas de temps à perdre. J'ai pas fait de stand-up pendant jusqu'à 2019. J'ai commencé, tu sais, c'était tout récemment que j'avais comme pris confiance. Ça avait été traumatisant comme expérience, j'imagine. Ouais, c'est clair. Totalement, parce qu'après ça, je connaissais plein de monde dans la foule. Fait que, tu sais, c'est comme d'affronter les regards. Il n'y a personne qui ose te parler, mais en même temps, tu as besoin d'un challenge. Il n'y a personne qui est game de cette personne-là. Ah non, c'est sûr. Il n'y a pas personne qui va dire « Hey, c'était bon! » Non, c'est ça. Et nous, qu'est-ce que tu peux dire, rendu là? Je pense qu'il n'y a rien que tu peux dire. Ça doit être difficile, mais particulièrement pour toi, j'imagine. Mais ouais. Totalement, j'avais rien à dire. J'avais absolument rien à dire. Ah non, c'est clair. Ouais. Ça, ça a duré combien de temps, mais toi, ton absence de scène? C'est 2015, c'est pas mal la fin. 2016, 2017, ouais. 2018. C'est quoi, mettons, qui te... Quasiment 3 ans et demi, 4. Mettons, un bon 4 ans. Quand même. 4 ans en humour, c'est beaucoup, là. Tu devais plus connaître les nouveaux, c'est... Non, c'est ça. Quand je vois des open mic, des affaires, je connais personne, tu sais. Puis là, à cause que j'ai reparti ma soirée, il y a plein de monde qui m'ajoute. Je suis comme, c'est qui ça? Puis là, je suis comme, OK, 108 amis en commun. Pour faire partie de la nouvelle gang, tu sais. Ouais. Mais j'aime quand même ça, bouquet du monde que j'ai vu, tu sais. Mmh. Mais c'est plus dur de booker Mariana Madza sur un 8 minutes à cette heure. C'est le monde que je bookais il y a 8 ans qui venait, puis non, François Bellefeuille fait le web, mais là, à cette heure, ils sont rendus avec des one-man shows. Ouais, sauf que là, ils ne pourront plus aller dans les grandes salles, fait qu'ils vont retourner. Ah, peut-être, c'est ça. Soirée, peut-être. T'as raison. Les contacts, c'est jamais parti. Mmh. Puis ce serait quoi, mettons, qui t'aurait drivé à refaire de la scène? Il n'y a pas de raison parce qu'il y a. Le plaisir, genre jaser avec le monde, d'être tout seul pour pouvoir jaser avec le monde. Ça, j'aime ça, jaser avec le monde, déconne. J'aime ça quand je fais un retour dans le track, puis souvent le jeu que je fais, c'est posez-moi des questions, puis si je suis pas game de répondre, je fais tirer un prix. Puis souvent, c'est mes moments les plus drôles, puis que je pense à des anecdotes, puis on dirait qu'en n'ayant pas de texte, je pense à des anecdotes, des vraies anecdotes, là, puis je la raconte quasiment telle qu'elle, j'en beurre. Pas beaucoup épais. Puis je suis comme Chris voir qu'il m'est arrivé ça, tu sais, en la comptant, je suis comme, tu sais. Ouais. Fait que souvent, c'est ça, ce drive-là, ça, j'aime ça, tu sais. Fait que
en refaisant juste un peu, ça me redonne comme la confiance de remonter. Mais tu sais, c'est vraiment pas... j'en ferai pas toutes les soirs, jamais. Je veux pas me déplacer à toutes les soirs. Je suis bien dans mes affaires. Ah non, c'est clair. Je suis bien avec ma guitare puis mes colliers. Ben oui! Chris, t'es équipé, mon chum. T'as même du vin rouge, colis. Ben là, c'est ça. Moi, je suis rendu à... Moi, je suis rendu sur Futen. Ah, pas l'air. Fais-toi un refill. Fais-toi un refill. Ah, mais là, on a fini le vignet. C'est terminé. Oh non! Déjà, ma coupe était genre à peu près là. Ah, tabarnak. Ben, tu vois, écoute, si ça n'avait pas été par Zoom, ben moi, je t'aurais payé à la bière. Ben oui, mais la prochaine fois, c'est sûr que je vais qu'on se croise, j'en veux. Oui. Ben oui, c'est clair, je t'en paye une. Hein. C'est clair, je t'en paye une. Puis, là, ça va être weird comme pacing, parce qu'on revient quasiment au début, là, mais je me demandais, ça ressemble à quoi l'équipe de Pas de temps à perdre? Parce que c'est quoi qui me fascine un peu, genre de. Tu sais, clairement, vous arrivez avec des. Tu dois avoir une équipe de recherchistes, j'imagine? Non. Non, c'est tout. Non. Pour vrai? Non, ben j'ai. Des fois, sporadiquement, j'ai des gens qui m'ont aidé un peu, mais à 95-96% du temps, c'est moi. Chalut Zoé Witala qui m'a aidé dans la dernière saison. Elle m'a envoyé comme une page, mais moi j'ai écrit 22 pages de notes. Là. Je fouille le Facebook, l'Instagram, le Google, je Facebook, je fais tout. Puis j'ai eu Gérard Archambault aussi qui m'a aidé pour quelques épisodes de la saison 2 ou 3. Sinon, les autres épisodes, c'est pas mal tout le temps moi tout seul. Le temps moi tout seul. Mon équipe, c'est mon ami Joe Anderson. De création Webson, j'en profite pour le plugger, qui est une compagnie de création vidéo. Il fait des vidéos. Là, il va rire s'il écoute ça parce que je dis tout le temps qu'il fait des vidéos de mariage. Quand je le bloque, j'ai fait des estimaux vidéos de mariage, mais tu sais, il fait des vidéos corpo, il peut faire des. Tu peux l'engager pour que ce soit une pub. Il y a des pubs que vous voyez des fois passer sur le web. C'est lui qui a tourné ça. Il a tourné avec les quatre chevaliers. J'ai rien qu'au kiff dans la tête, mais les quatre chevaliers qui passaient à TVA Sport avec Renaud Lefort. Okay. C'est lui. Il a été longtemps là-dessus. Fait que, il y a un paquet de réalisations. Ça, c'est mon acolyte depuis le début. Puis mes deux autres partners, Marc-Antoine Hamel, qui travaille avec Joe, qui est caméraman, Simon Martel, qui est caméraman. Ces trois-là, il y a Stéphanie Pouliot, qui a fait la plupart du temps, qui fait mon graphisme. Sinon, ça, c'est pas mal le team qui était là tout le long. Il y a les deux premières saisons, Maxime Crête, je m'en voudrais de ne pas le saluer, qui était là tout seul, qui venait avec moi, qui a fait toutes les deux premières saisons. Fait qu'on partait de Saint-Étienne, de Beauharnois, on pognait notre gear, nos caméras, nos setups, on allait à Promédia. Des fois, on était parkés je sais pas où, parce que c'est sur Sainte-Catherine. On marchait avec nos kits, ouais. Mes coupes de vin, mes deux bouteilles, pour s'en aller. Fait que ça, c'est des années qui te forgent à travailler. T'as rien d'acquis, ouais. Tu sais. Ouais, fait qu'à ce temps, t'apprécies, tu sais. Puis là, mon équipe de Valspec, tu sais, eux autres, c'est incroyable. Là, eux autres ils ont un vrai team, là, tu sais. Valspec, c'est une salle de spectacle. Ils accueillent des shows à tous les jours, là, tu sais. Toutes les shows que tu vois passer à travers le Québec, ils vont tous. Billy Talent! Oui, oui! Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Eux autres, ils ont un machiniste. Eux autres, ils me placent la salle. Eux autres, ils m'installent l'écran. C'est un gars là-bas qui met mes vidéos. C'est Francis. Je le salue. Ils ont une méga équipe. Fait, sur place, on est rendu avec un gros staff. Quand je suis parti, on était deux. Là, on a une grosse équipe. Puis là, je veux pas oublier personne. C'est pour ça que je dois arrêter de nommer des noms. Mais si vous voulez aller voir, tout le monde est au générique. Je remercie chaque personne qui donne de leur temps, pas de temps perdre, parce que je sais qu'ils le font pour pas grand-chose. Puis c'est pas tout le temps facile de donner du temps quand c'est pas ton projet. Mmh. Ouais, ouais. Je sais que c'est mon projet à moi, mais c'est le fun quand il y a du monde qui s'investisse autant dans ton projet, ouais, que toi, tu le ferais. T'sais. Moi, c'est normal que je le fasse. Que c'est le même que je peux gagner ma vie, puis je peux avoir d'autres contrats alentour. Eux autres, c'est comme pas normal qu'ils donnent autant. T'sais. Fait que l'équipe de Valspec, l'équipe de création Webson, les deux équipes ensemble, avec moi, on forme comme un tout. Puis, c'est ça qui fait le succès. Puis là, je pense que je vais isoler ce segment-là. Je vais leur envoyer parce que. Ouais, c'est non, mais tu sais, des fois, non, mais ouais. Des fois on a tendance à oublier. Puis vous avez raison de me lancer là-dessus. C'est une petite bonne question. C'est qui entoure? Non, mais tu sais, c'est qui entoure? Il y a des grosses équipes, tu sais. Puis. Des fois, je me dis, je suis seul. Mais c'est sûr qu'en ce moment, là, je me sens tout seul à gérer ma page Facebook.
Mais la journée n'a pas de temps à perdre. Il y a du monde qui a été placé à la loge. Il y a du monde qui... Il y a quelqu'un qui a écrit le nom de mon invité puis mon nom, ça porte la loge. Il y a quelqu'un que moi, j'ai dit, ah, ben, on aimerait ça avoir une bouteille de telle affaire. Il y a quelqu'un qui est allé la chercher. Il y a quelqu'un qui déchire les billets à l'entrée. Il y a du monde qui accueille le monde. Moi, je ne fais pas ça. Là. Oui, je pense à peut-être plus d'affaires, tu sais, puis j'aide un peu plus que l'animateur normal. Mais je me fais beaucoup aider. Là, je paye la pizza aussi. Ah oui! Ben écoute, normalement, je suis mis sur des trucs un peu négatifs. Chili de scène, mais là, man, on va continuer dans le même vibe. On va y aller dans le code positif. OK, ce serait quoi, mettons, genre, ce que tu serais plus fier d'avoir accompli avec pas de temps à perdre, puis ce que tu voudrais accomplir pour, peut-être pas 2020, vu que là, elle a l'air un peu scrappée, mais 2021, mettons. Vu qu'elle a l'air un peu scrappée. Ben, moi, je pense que ça va être la même réponse, c'est d'avoir perduré. Ouais. Puis mon objectif, ça va être de perdurer. Ouais. That's right. On continue dans la même veine. Ah, ben. Sans ça, attends, on peut finir avec une autre question. As-tu déjà pogné une petite fille à la gorge? C'est sa question. Moi, je comprends pourquoi il veut isoler un moment de l'émission pour l'envoyer. C'est parce que le reste, il l'assume. Non, ben, j'ai pigé dans mes questions pour Charles Lafortune, là, un peu. Là, ah, c'est ça. Oui. Moi, juste pas les segments à fil. Tout est clean. Tout le reste, c'est bon. Ben, écoute, merci beaucoup, Marc-Antoine, de t'être joué à nous pour rester. Ouais, merci énormément. Super, c'est fun. Merci beaucoup de l'invitation. J'ai eu une super belle soirée. Ah, ben, là, je m'en retourne dans ma solitude avec un verre d'eau. Ben écoute, il n'est pas encore... Ben avec un habillement très festif, là, pour ta solitude. Moi, j'ai un habillement très festif. Puis probablement que le vignier n'est pas fermé à ton épicier le plus près, on ne sait pas. Non, t'as raison, oh. C'est vrai. Oh, bon attends, flash. Il est pas 11h, en tout cas. Il est pas 11h. Pas trop tard pour être à jeun. Connaisseur, ouais. Ben, merci beaucoup à la gang, pour vrai, merci. J'ai eu vraiment... Merci infiniment. Ben, je suis content, c'était du fun. Ben, je suis content, c'était du fun. Puis honnêtement, merci beaucoup d'être venu. Puis, t'as un esti de bon show. Puis, tu sais, honnêtement, je suis pas le genre de personne qui va faire des compliments dans le vide, mais pour moi, c'est vraiment, vraiment super bon. Puis c'est inspirant de voir ce que t'es capable de faire avec le web québécois. Puis, mais lâche pas, man. Puis, j'incite tout le monde à aller écouter ça pour eux. Vous allez vraiment aimer ça. De toute façon, je vous envoie du love. Merci beaucoup. Puis, on se rejoint en vrai avec une bière. Yes, man. Oh! C'est moi qui paye. C'est moi qui paye. Ben, je me fie que là-dessus. Non, on va s'en rappeler, là-dessus. Marco. C'est clair. Sauf que je la prends pas si elle est déjà ouverte parce que je sais que Phil, tu vas peut-être. Non, mais OK. Hey, merci tout le monde. Bonne semaine.